Bien, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, chers collègues. Fin 2023, notre Assemblée a atteint la moitié de son mandat, débuté en mai 2021. Au-delà des règles qui obligent les formations de travail à un bilan de mi-mandat, il nous a paru opportun de saisir ce moment pour étendre ce bilan à l'ensemble de notre institution, pour voir clair dans ce que nous avons accompli ensemble et mesurer le chemin qui nous reste à parcourir. C'est l'objet de la plénière d'aujourd'hui, orchestrée par un groupe de travail du bureau constitué autour de Michel Chassan et par le bureau lui-même. Mai 2021, l'installation de cette mandature en pleine pandémie Covid, nous nous en souvenons tous. Une assemblée renouvelée quasiment aux deux tiers, des organisations nouvelles et une quasi-impossibilité d'être ensemble. Nous avons découvert les vertus de la visio et du distanciel, mais nous n'avons pu échapper à un démarrage en mode quelque peu dégradé. Pourtant, grâce aux efforts et à l'engagement de chacun, nous nous sommes rapidement mis au travail, efficacement, me semble-t-il, et nous avons obtenu des résultats tangibles. Dans un contexte de défiance généralisée à l'égard des institutions, en ce début d'année 2024, le Conseil économique, social et environnemental bénéficie d'un niveau de confiance plutôt élevé et s'affirme comme triple point de repère dans notre démocratie. Un point de repère d'abord dans le débat public. C'est la mission première du CESE, à laquelle nous nous consacrons avec ténacité. L'Assemblée de la société civile agissante continue de défricher, d'éclairer et de documenter les grands sujets qui touchent notre pays et nos concitoyens. Migration et Union européenne, sens de la peine, gestion de l'eau, renouvellement des générations en agriculture, métiers en tension, financement de notre stratégie énergie-climat, développement du parasport, inégalité de genre dans la crise climatique, relance économique dans les outre-mer, engagement et participation démocratique des jeunes, cannabis, fin de vie, autant de sujets parmi beaucoup d'autres qui ont permis au CESE de démontrer que des consensus exigeants sont possibles. Dans notre monde fracturé et polarisé, ce n'est pas rien, et c'est ce qui fait du CESE une institution plus que jamais moderne et d'avenir. Les saisines par les pouvoirs exécutifs et législatifs en témoignent. Mais encore faut-il que nous soyons sur les bons sujets dans le bon calendrier. Nos orientations stratégiques, résilience, transition, transformation, issue de la conférence des enjeux de début de mandat, elle-même nourrie des contributions des membres et des dirigeants des organisations siégeantes au CESE, avait donné le la. Depuis, avec l'appui de la direction des services consultatifs, nous n'avons de cesse de toujours améliorer la programmation, la priorisation et la cohérence de nos travaux. Nos travaux et avis, c'est parce qu'ils sont de qualité que nous voulons mieux les promouvoir, en amont et en aval de leur adoption en session plénière, avec une attention toujours plus grande portée à la redevabilité, prioritairement en cas de saisine gouvernementale. Les supports de communication, les contacts avec les médias, les rendez-vous de remise des avis aux ministres, pour ne prendre que quelques exemples, s'installe.
Je pense également aux séances plénières thématiques qu'organisent désormais nos formations de travail pour mieux partager et donner à voir nos réflexions et propositions. Diplomatie féministe, intelligence artificielle, politique de jeunesse ou encore financement de la transition écologique, autant de séances parmi d'autres qui ont donné lieu à des débats de haut niveau, réunissant société civile organisée, monde politique et académique, et ce faisant, conforter nos productions. Ces premières initiatives sont positives, nous les amplifierons, nous les compléterons. L'enjeu, c'est l'impact du CESE. Au niveau national, toujours dans une volonté de pertinence, nous avons resserré les liens avec les Césaires, plus fréquemment mis à contribution. Au niveau européen et international, nous avons multiplié initiatives et partenariats avec le Comité économique et social européen, ainsi qu'avec nos homologues de nombreux pays, principalement dans le cadre de l'UCESIF, pour renforcer le poids et l'influence des sociétés civiles dans la construction des politiques publiques. Un Erasmus des sociétés civiles organisées a été lancé en mai 2023 pour développer les échanges de bonnes pratiques entre membres de divers conseils européens. Au niveau institutionnel, enfin, notre Assemblée, celle des corps intermédiaires, a tenu sa place et porté sa parole aux côtés des assemblées élues, l'Assemblée nationale et le Sénat, dans le cadre des initiatives du président de la République, comme le Conseil national de la Refondation ou les rencontres de Saint-Denis. Deuxième point de repère, nous le sommes également devenus comme acteur national de la démocratie participative. Avec des dizaines de travaux associant des publics et des panels citoyens, avec une convention citoyenne, la réforme de 2021 faisant du CESE le carrefour des consultations publiques a été largement déployée. Plus de 150 000 citoyens y ont contribué, tout format confondu, tandis que 34 pétitions ont été déposées sur la plateforme dédiée du CESE. Le projet de loi sur la fin de vie, nourri de la Convention citoyenne et d'une commission temporaire du CESE, devrait illustrer ce chaînage vertueux que nous appelons de nos voeux entre pouvoir exécutif, démocratie sociale et démocratie participative. Je veux souligner l'apport à cette mission nouvelle de la direction de la participation citoyenne, ainsi que des dizaines d'agents qui se sont formés en interne pour l'animation de ces dispositifs. Troisième point de repère, nous le devenons toujours plus comme lieu de débat, de rencontre, d'échange et de culture pour la société civile et le grand public. L'Assemblée de la société civile organisée ne s'enferme pas dans son palais, mais l'ouvre sur la société et à la société. Nous accueillons des groupes de réflexion, je pense aux rencontres de la longévité. Nous développons les rencontres du CESE. Certaines ont permis d'auditionner les différents candidats à l'élection présidentielle, tout récemment d'auditionner des députés européens. D'autres, d'aborder des sujets aussi centraux que le travail ou l'immigration, et toujours en requérant la participation active de conseillères et conseillers. Nous avons, parallèlement, ouvert le palais d'Iéna à de multiples manifestations culturelles, créé un prix littéraire et une résidence artistique. À ces trois points de repère, j'ajouterai qu'en interne, sous le pilotage du secrétaire général et avec le concours de toutes les directions et services du Conseil, nous avons lancé un vaste chantier de modernisation, de sécurisation et de dynamisation de notre institution, avec notamment l'installation d'un collège de déontologie, la publication annuelle d'un rapport d'activité, une mise aux normes d'accessibilité, une nouvelle signalétique et d'importants travaux de rénovation,
rendu possible grâce à un mécénat fidèle et dynamique. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue, disait Victor Hugo. J'ai la conviction profonde que le CESE, troisième chambre constitutionnelle de la République, incarne une nouvelle idée de la politique dont l'heure est venue. Il répond aux besoins d'apaisement, de convergence et d'écoute qu'exprime la société tout entière. Nous avons, ensemble, réussi à conforter une institution en phase avec son temps, une institution hybride à même de réinventer le rapport au débat, à la décision et à l'engagement. Une institution démontrant par les actes que la démocratie n'est pas qu'un sport de combat, mais la construction patiente de terrains d'entente. Puisse cette plénière de mi-mandat nous permettre un utile arrêt sur image, mais puisse-t-elle surtout nous mobiliser, nous engager, nous projeter dans la deuxième partie de notre mandat, tant il reste à faire pour être efficace et utile. J'invite Marie-Claire à rejoindre la scène pour la première table ronde de cet après-midi. Merci beaucoup. Nous allons commencer par regarder ce que nous avons mis en œuvre concernant la participation citoyenne et la participation du public aux travaux du CESE. Et je m'appelle à me rejoindre Angeline Barthes, Jean-Carl Deschamps, Sébastien Mariani, Sophie Thierry, Claire Toury et Albert Rinsetteler. Merci beaucoup. La réforme de la loi organique a fait du CESE, comme Thierry Baudet vient de le dire, le carrefour de la participation citoyenne. Eh bien, nous allons essayer de faire un petit état des lieux sur ce qui a été fait sur ce début de mandature concernant ces questions. Et nous avons donc demandé au président de commission et au rapporteur de bien vouloir venir nous raconter ce qu'il s'est passé avec les citoyens qui ont été impliqués dans les travaux du CESE, ce que ça a apporté au CESE, ce que ça a apporté aux citoyens, ce que ça apporte à la démocratie tout entière. Vous le savez, on a mis cette participation citoyenne en œuvre en ne perdant jamais à l'esprit, en gardant toujours à l'esprit que c'était l'articulation avec la démocratie représentative que l'on cherchait, mais aussi l'articulation avec la parole collective, la parole de la société civile organisée. Et c'est la raison pour laquelle cette participation au CESE est si importante. Monsieur Deschamps, vous avez à la commission éducation-culture utilisé diverses modalités de participation. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ce que vous avez mis en œuvre ? Alors, je suis très surpris, parce que normalement, ce n'est pas moi qui commençais, ça ne va pas du tout, ça. Mais, donc, je ne suis pas prêt, mais je vais quand même dire des choses. Non, très sérieusement. Merci, Madame Martel, pour cette question. Nous avons abordé la question de la participation citoyenne à la fois avec une conviction débattue, qui est celle de la pertinence du sujet, et c'est un débat qui nous traverse toujours, il faut qu'on l'ait en tête, et en même temps, la volonté de participer à faire vivre la participation citoyenne au sein de notre Assemblée. Pour cela, nous avons, au cours de l'ensemble de nos travaux, par 4 reprises depuis le début du mandat, mis en place des dispositifs de participation. Il y en a 2 qui relèvent de démarches, ça n'est absolument pas péjoratif, mais plus classiques, de participation par tirage au sort et ensuite d'agrément dans les commissions. Et puis il y en a 2 sur lesquels je voudrais m'arrêter un instant parce qu'ils me paraissent plus spécifiques. D'abord, il y a celui que nous avons
mis en place dans le cadre des premiers travaux que nous avons menés sur le bénévolat. Le choix a été d'essayer de faire participer les citoyens sur les territoires. Nous avons appelé à la création de groupes locaux de réflexion qui se sont constitués, il y en a eu à peu près 25, qui ont travaillé sur nos sujets et envoyé un ou deux représentants à une séquence participative ici au Conseil. Dans le même ordre d'idées, mais un tout petit peu différemment, dans le cadre de la saisine que nous travaillons actuellement sur réussir à l'école, réussite de l'école, nous avons mis en place un dispositif d'aller vers, c'est-à-dire de déplacement sur les territoires, trois territoires, où nous avons rencontré les acteurs du secteur éducatif et nous leur avons donné rendez-vous ici plusieurs mois plus tard pour leur faire part de la manière dont ils avaient nourri nos réflexions, mais aussi des orientations de nos travaux et recueillir leur participation. Dans les deux cas, mais aussi dans les quatre, je ne parle pas des deux autres, nous avons toujours des personnes extrêmement participatives, extrêmement motivées, qui contribuent et qui apportent ou une légitimation à la démarche ou un renforcement par des idées nouvelles. Et pour conclure, puisque j'avais deux minutes, c'est cela, je voudrais dire que les conseillers et les conseillères de la Commission ont toujours été extrêmement sensibles à un point. Il y a le débat sur la participation citoyenne et la relation avec nos organisations représentées dans cette Assemblée. Mais au-delà de cela, il y a surtout la volonté des conseillers et des conseillères d'être associés de la conceptualisation de la procédure jusqu'à sa réalisation. Il y a une vraie envie, une vraie appétence pour que le lien ne soit pas un apport seulement extérieur, mais soit vraiment, finalement, un lien de sang mêlé, certainement de sang démocratique, bien sûr. Merci beaucoup. Et effectivement, la création de la direction à la participation rend cela possible. Sophie Thierry, vous êtes présidente de la commission Travail-Emploi. Vous avez, vous aussi, utilisé au moins un processus de participation. Vous voulez bien nous raconter ? On en a même utilisé plusieurs. Effectivement, nous aussi, depuis le début de la mandature, on a fait quatre avis. Alors le premier, on était à peine installé, qu'il y avait une saisine ministérielle en deux mois, c'était compliqué. Le premier a été testé, approuvé. Merci. Mais donc sur les... Approche bien le micro. Oui. Donc, par contre, donc, sur les trois avis suivants, on s'est systématiquement posé la question de la participation citoyenne. Et ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est que c'était pas il faut faire de la participation pour de la participation. On s'est posé à chaque fois, on veut interroger qui pour faire quoi. Et dans le premier avis où on a mobilisé ce dispositif, c'était un avis sur les métiers de la cohésion sociale. Et là, on partait vraiment d'un sujet qui était le travail de ces métiers de la cohésion sociale, des éducateurs, des assistants, assistantes sociales. Voilà, on partait de leur réalité de travail et on n'était pas nombreux à le connaître au niveau de la commission. Et c'est peut-être là qu'il y a eu le dispositif le plus abouti, puisqu'il y a eu à la fois... de les faire venir, ces acteurs, d'en rencontrer quelques-uns qui venaient nous parler de leur métier. On a été les voir aussi, sur place, en petits groupes, et puis après on a fait des débriefs collectifs. Et puis il y a eu une plateforme de consultation, et puis un tirage au sort à partir de ceux qui s'étaient prononcés sur la plateforme pour faire des ateliers participatifs. Donc là, on voit vraiment qu'il y a eu un process entier, mais qui nous a permis, à nous, au niveau des conseillers de la commission Travail-Emploi, de vraiment rentrer dans ce qu'était le quotidien, ce qu'était le travail, et aussi de ce qu'était l'analyse que ces acteurs-là avaient de leur propre métier, de leur propre travail et des propositions qu'ils avaient à faire. La deuxième fois où on a fait appel à la participation citoyenne, c'était l'avis sur travail et climat, et on s'était rendu compte que finalement c'était un sujet qui, malgré la loi, ne faisait pas encore beaucoup l'objet de dialogue social dans les entreprises. Et donc là, on a fait une enquête auprès des acteurs du dialogue social dans les entreprises pour leur poser des questions sur ce sujet. Et là encore, on ne visait pas forcément la représentativité comme dans un sondage, mais pour des personnes qui étaient intéressées par le sujet, qu'elles puissent nous dire quels étaient les freins et les leviers qu'elles voyaient sur ce sujet-là. Et ça a été une matière très riche pour alimenter la réflexion dans nos avis sur la partie préconisation,
sur le comment on peut faire pour que ce sujet soit mieux pris en compte dans les entreprises et dans les fonctions publiques. Et puis, le troisième, eh ben, c'est l'avis que nous allons soumettre à votre vote dans 15 jours sur l'articulation des temps. Et là, c'était une approche différente parce qu'on a voulu traiter le sujet de l'organisation des temps de travail, non pas dans une vision strictement partenaires sociaux qui négocient dans l'entreprise, mais regarder ce sujet dans toute sa dimension sociale, sociétale, environnementale. Et donc, ça nécessitait d'avoir une vision beaucoup plus large, grand public. Et on a fait une plateforme, pour le coup, citoyenne, qui s'adressait à tout citoyen qui pouvait avoir quelque chose à dire, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. Et on a eu un succès important, puisqu'on a près de 11 000 personnes qui se sont connectées, qui ont donné non seulement leur avis dans le base d'un questionnaire, mais aussi qui ont fait des propositions. Donc, c'était ça sur lequel je voudrais vraiment insister. Ça a été que à chaque avis, on s'est vraiment posé la question de est-ce qu'à un moment donné, il y a un regard de citoyen ou d'acteur du dialogue social. On a besoin de quoi comme avis pour en faire quoi derrière. Et ça, c'était pensé dès le départ de la consultation. Et donc, du coup, bah, après, ça s'est assez naturellement inscrit dans la réflexion et dans les travaux de la commission. Merci beaucoup. Angeline Barthes, vous êtes présidente de la Commission des affaires sociales et de la santé. Vous avez, vous aussi, mis en œuvre des solutions de participation citoyenne. Vous voulez bien vous raconter? Oui, effectivement. Bonjour à toutes et à tous. En fait, à la Commission affaires sociales et santé, on a un peu tardé avant de s'emparer des dispositifs de participation citoyenne. Mais une fois qu'on a décidé d'y aller, on y est allé en plein. Et en fait, sur notre dernier avis, qui est autour de soutenir l'autonomie, ses besoins et ses financements. On a expérimenté deux dispositifs de participation. Un premier qui est un aller vers des ateliers qui ont été organisés dans les Outre-mer pour prendre en compte, alors en Martinique, excusez-moi, et à La Réunion, pour prendre en compte la spécificité de ces territoires et puis aller discuter avec les acteurs de terrain pour voir comment ils appréhendaient à la fois en Martinique, qui est le département le plus âgé, sur le territoire et à La Réunion où ces questions de choc démographique vont être d'autant plus amplifiées qu'il va y avoir un certain nombre de retours aussi, il y a un certain nombre de gens qui retournent sur le territoire à la retraite et donc comment est-ce que sur le terrain on se prépare aussi à ces questions-là. Et le deuxième dispositif qui a été également expérimenté dans la commission, pour la première fois on a inclus des citoyennes et citoyens tirés au sort, 15, comme des membres à part entière de la commission, c'est-à-dire qu'ils ont participé intégralement à nos travaux, quasiment du début à la fin des travaux, c'est-à-dire ils ont participé aux auditions, ils ont posé des questions, on a discuté avec eux de la constitution du plan, du texte, ils ont aussi pour certains déposé des amendements également au texte, et en fait leur participation a permis aussi de contribuer et d'enrichir les débats, puisque c'est vrai qu'on nous a, certains étaient assez interrogatifs sur le fait qu'on intègre des citoyens sur ce sujet dit technique, mais en fait c'est un sujet qui concerne toutes et tous, ou qui va nous concerner, ou qui nous concerne dans nos familles. Et donc on a eu ces citoyens qui avaient été ressorts, mais aussi qui avaient dit oui, donc qui avaient accepté, qui étaient aussi engagés sur le sujet, de participer, et notamment, je pense qu'ils nous ont aussi fortement aidés sur la partie besoin, et les besoins nouveaux et les futurs besoins sur la question du financement de la perte d'autonomie. Et ça nous a demandé beaucoup, beaucoup de travail aussi en commission, c'est-à-dire qu'on a changé... On a fait des réunions sur la journée entière pour leur permettre de se libérer sur la journée entière parce que certains traversaient le territoire pour rejoindre la commission. Et on a aussi fait des journées d'acculturation, on a pris aussi beaucoup plus de temps pour discuter, pour débriefer, pour échanger avec eux. Et également, on a eu aussi un temps de formation aussi sur qu'est-ce que la première lecture, les deuxièmes lectures, qu'est-ce que des amendements déposés au CESE, comment on travaille. Et je pense que ça a été enrichissant pour eux, mais également pour nous. Je pense que ça nous a aussi fait travailler autrement. Merci beaucoup. Sébastien Mariani, vous avez rapporté un avis sur les mobilités en zone peu dense pour la commission territoire
agriculture et alimentation, présidé par Henri Biespéré. Vous voulez bien nous raconter les mécanismes et les moyens de participation que vous avez mis en œuvre ? Oui, alors ces mécanismes, ces moyens, ils se sont un peu imposés par le parti pris qu'on a choisi dans la commission, c'est-à-dire repartir des modes de vie, des modes de vie des citoyennes et des citoyens. Et donc, repartir des modes de vie, c'était aussi mener finalement une transformation sur les mobilités sans percuter ces modes de vie, réduire des inégalités sans percuter ces modes de vie. Et donc, il fallait à la fois qu'on ait une réponse sociétale, en fait, qui est l'objet même du CESE, mais aussi une réponse territoriale et puis une réponse, effectivement, du quotidien vécu. Et donc, on a élaboré un dispositif qui était un peu à plusieurs entrées. Hein. D'abord, un élargissement de la démocratie participative au sein de la commission avec 8 Césaires qui ont participé à l'ensemble des travaux et qui étaient appelés à relayer une participation citoyenne qu'on a voulu être vraiment dans la co-construction à différentes étapes de la vie. Donc d'abord, une plateforme qui a réuni 10 100 et quelques réponses. Avec une boîte à idées, on a eu, je crois, 1000 propositions des citoyennes et des citoyens. Et puis, de l'aller vers, d'abord avec des ateliers participatifs en région, donc relayés par certains Césaires et puis du coup par des maires aussi de communes qui sont impliquées dans l'organisation de ces ateliers. Donc 120 à peu près participants à ces ateliers en région. Et puis un dispositif original en Outre-mer, un partenariat avec la Poste, qui a mobilisé les facteurs, les postiers, qui sont allés du coup aussi toucher des publics qu'on n'aurait peut-être pas touchés en allant administrer ce questionnaire, engager une conversation, un lien avec les personnes, à la fois dans les bureaux de poste, parce que c'est là aussi qu'on vient chercher des aides sociales, réaliser des formalités, mais qui sont aussi allés au-delà. Donc ils sont allés à des arrêts de bus, ils sont allés dans des écoles, à la sortie d'école, etc. Et donc vraiment à la rencontre des populations, un grand succès, puisque ça a été à peu près, enfin plus de 2/3 en fait, des répondants sur la plateforme qui ont été comme ça touchés. Donc en fait ces phases-là, elles ont servi effectivement à du coup élaborer des pistes de préconisation. D'abord identifier les besoins, valider effectivement des attentes, des propositions. Et puis on a eu une deuxième phase en fait qui a consisté à une journée délibérative. Donc là on a fait venir 30 citoyens volontaires parmi ceux qui avaient participé à la première phase, qui sont venus une journée au CESE. Alors à la fois pour valider effectivement les pistes de préconisation qu'avait identifié la commission sur la base de ce premier travail, aussi les enrichir, les prioriser. Et donc voilà, on a eu comme ça, je dirais un peu ces trois couches, démocratie représentative de la société civile, une partie territoriale et puis une troisième couche, effectivement, le quotidien vécu jusqu'à l'élaboration un peu fine des préconisations. Merci beaucoup. Claire Toury, vous avez présidé la commission temporaire démocratie et le comité de gouvernance de la Convention citoyenne fin de vie. Vous pouvez nous raconter les différents axes de traitement de ces deux problématiques. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, j'ai eu la chance de présider d'abord la commission temporaire participation démocratique qui s'est installée, rappelez-vous, au tout début de notre mandat, suite à une double saisine, une saisine du président de l'Assemblée nationale à l'époque, Richard Ferrand, et une saisine du Premier ministre Jean Castex. La première portée sur la vitalité démocratique dans les corps intermédiaires, on va dire, pour la saisine du président de l'Assemblée nationale, et la deuxième saisine portée sur la participation des jeunes aux élections. Et en fait, comment on explique que les jeunes s'engagent alors qu'en fait, ils votent de moins en moins. Et donc, pour répondre à ces questions, une commission temporaire s'est constituée et on a expérimenté plusieurs dispositifs de participation citoyenne à ce moment-là. D'abord, une plateforme de consultation assez large auprès des organisations du CESE, hein, et puis les membres de nos membres, etc., puisqu'on est 175, mais on sait qu'on représente quand même beaucoup de monde derrière. Et donc, voilà, comment ça se passe dans nos organisations, comment est-ce que les uns et les autres votent, comment on participe au renouvellement de nos instances. Donc ça, c'est une saisine qui a été rapportée par Thierry Cadard. Et puis ensuite, on est passé sur la deuxième saisine, sur l'abstention, l'engagement des jeunes, co-rapportée par Kenza Okansé et Manon Pisani. Et pour répondre à cette saisine, on a fait deux choses. On a d'abord tiré au sort 12 citoyennes, citoyens qu'on a intégrés aussi à l'élaboration de la vie, hein, du début à la fin. 12 citoyennes, citoyens majoritairement âgés de moins de 30 ans, puisque le sujet était bien la participation des jeunes aux élections. Et puis on a aussi fait un dispositif d'aller vers, croisé,
puisque une délégation CESE de la commission, puis une délégation citoyenne de la commission, on est parti ensemble à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, échanger avec des jeunes accompagnés par des centres sociaux pour justement discuter cette question de la participation aux élections, du rapport aux institutions, du rapport aux politiques, de la confiance. Donc ça, c'est pour la partie commission temporaire. Et puis plus récemment, la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui a eu lieu entre décembre 2022 et avril 2023, et qui a été organisée complètement par le CESE, contrairement à la Convention climat, et qui a réuni 184 citoyennes, citoyens tirés au sort, représentatifs de la diversité de la population française. Peut-être en quelques mots, ce que je retiens à la fois de la première expérience et puis de la deuxième, c'est ce que disait Thierry Baudet en introduction, hein, c'est qu'on voit qu'on est arrivé quand même dans un nouveau stade de la construction de la décision, et on ne peut pas faire comme si la situation démocratique représentative n'était pas quelque chose qui devait nous préoccuper toutes et tous. Et donc, on élabore des outils, des dispositifs avec la méthode CESE, et c'est ça qui est vraiment important, je pense, de redire, avec la méthode CESE pour essayer de construire des solutions pose clairement les points de divergence sur la table, les difficultés, mais en essayant quand même de tous et toutes faire un pas les uns vers les autres avec des casquettes qui sont très différentes, puisque c'est pas la même chose quand on représente une organisation. On est certes des citoyens, mais on représente des intérêts, on représente des organisations, on représente quelque chose, que quand on représente nous-mêmes en tant que citoyennes, citoyens tirés au sort. Mais l'enjeu, mais on en parlera sans doute après, c'est bien de savoir comment on articule du coup toutes ces fonctions démocratiques pour revitaliser le débat qui en a absolument besoin. Et bien justement, Albert et Tintaler, vous avez rapporté l'avis du CESE. Non, je n'ai pas rapporté, j'ai présidé la... Présidé, pardon, la commission temporaire qui allait avec la Convention citoyenne fin de vie. Et donc, comment s'est passée cette articulation et en quoi c'est utile pour les travaux du CESE? Donc, c'est Dominique Josephin qui a rapporté pardon, le... Pardon Dominique. Non, il n'y a pas de souci, je pense. Une des questions fondamentales, justement, c'est de savoir de quoi on parle. Alors, on a évoqué le mot articulation, qui vient d'être évoqué à l'instant. Le président, tout à l'heure, a parlé de chaînage vertueux. À un moment donné, on a parlé de continuum. À un moment donné, on a parlé de travaux parallèles, ce qui prouve que ça a été un peu compliqué, finalement, hein, parce qu'on a complètement expérimenté une démarche nouvelle, comme d'ailleurs, ça vient d'être dit, hein, dans cet échange. Il y a beaucoup de choses nouvelles qui ont été mises en place. Et finalement, la question, c'était de savoir comment est-ce que on organise ce travail d'une commission, même si elle est temporaire, avec, dans la même temporalité, en quelque sorte, les travaux d'une convention citoyenne. Donc c'était complètement inédit. Et comme on se le disait régulièrement en commission temporaire, là, on avance en marchant, avec prudence, et en s'assurant de choses. D'abord, bien comprendre qu'on n'est pas sur le même exercice et que une commission temporaire n'est pas en concurrence médiatique avec une convention citoyenne. Et c'est vrai que quelquefois, on pouvait être un peu agacé de se dire il y en a pour la convention citoyenne, il y en a des tonnes à la télé, on voit Claire Toury tout le temps, enfin, ce genre de choses. Pas que elle, mais et je plaisante, hein, bien sûr. Et finalement, la commission temporaire, le CESE, où est-ce qu'il est dans tout ça? Est-ce qu'on le voit? Est-ce que finalement, les travaux qu'on mène comptent? Ou est-ce que c'est simplement une obligation légale, en quelque sorte, d'avoir une commission temporaire en même temps? Et que finalement, ça n'intéresse pas grand monde. Moi, il me semble qu'au contraire de ça... Et je vais donner deux exemples qui démontrent que finalement, il me semble, hein, mais ça, on n'a pas fait de bilan exhaustif, en tout cas, ça aurait été intéressant de pouvoir en faire une analyse un peu fine. Mais d'une part, quand on a été auditionné à l'Assemblée nationale avec Dominique Joseph, on a vu que l'avis que nous présentions était en quelque sorte... renforcé, consolidé, décuplé d'une certaine façon par le fait qu'il s'appuyait sur les travaux de la Convention citoyenne.
Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait peut-être pas complètement mesuré quand on a préparé cet avis-là, mais c'est que, pour le coup, c'est un avis dont on a la prétention de penser qu'il est particulièrement entendu et écouté, et on en témoignait, je ne sais plus avec qui, avec Didier, où c'est un avis qui circule aussi, y compris à travers les parlementaires. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est qu'on a... On a quand même essayé de garder le contact avec la Convention citoyenne, d'une part en présentant l'avis porté par Pierre-Antoine Gailly dans la précédente mandature de 2018, c'était la première séquence de la Convention citoyenne. On est revenu à plusieurs reprises, on est venu lors de la dernière session de la Convention citoyenne pour leur dire où est-ce qu'on en était dans la construction de l'avis. On a invité une délégation de la Convention citoyenne pour au moment de la présentation de l'avis du CESE. Donc on a essayé quand même de garder les contacts et les relations, et on a eu plusieurs auditions communes d'ailleurs avec un certain nombre de ministres, notamment sur le sujet. Tout ça pour dire que je ne sais pas, peut-être qu'il faudra revoir la temporalité, peut-être qu'il ne faut pas exactement caler l'un sur l'autre, mais les travaux de la commission temporaire se sont véritablement nourris. On a auditionné, par exemple, un certain nombre de moments de la Convention citoyenne. On est allé les week-ends pour assister aux travaux. En tout cas, on s'est complètement nourri de cette dynamique de la Convention citoyenne. Et je pense que ça a été un exercice, une aventure humaine, comme chaque fois qu'on soit extrêmement enrichissante pour chacune et chacun d'entre nous. Oui, il y a la question de la redevabilité aux citoyens, enfin, du CESE vis-à-vis des citoyens, mais aussi la redevabilité des pouvoirs publics aux citoyens qui participent. C'est deux choses qui s'imbriquent l'une l'autre. Absolument. Et la redevabilité, pour le coup, du politique au CESE. C'est bien l'enjeu final. Absolument. Puisque la vie vient après. Cette question du rendre continu, j'aime bien dire que le dernier kilomètre des politiques publiques, enfin ce qui est appelé le dernier kilomètre des politiques publiques, est ici le premier kilomètre des politiques publiques. Il traverse aussi d'autres organisations qui sont identiques au CESE mais qui sont régionales et qui sont les CESER. Dans la dernière saisine de la commission éducation culture, vous avez aussi utilisé à la fois la participation directe des citoyens mais aussi celle de leurs organisations à travers celle des CESER. Oui, ça a été effectivement un des axes assez forts. Nous avons lancé, le président Baudet a écrit à tous les présidents de CESER en disant voilà, on lance un travail sur ce sujet, qui souhaite en être. Il ne l'a pas dit comme ça, il a dit beaucoup mieux. Mais... Et en fait, on a 13 CESER qui ont répondu mais on y va, quoi. Dont un des territoires d'outre-mer et le reste sur. Le territoire métropolitain, et 13 CESER qui se sont fortement investis. Donc, on a eu un petit problème de calage au départ en termes de timing, parce que le temps de la décision et du lancement de nos travaux nous amène à dire en retour que ce type d'expérimentation doit nous permettre demain de déclencher plus tôt l'appel pour pouvoir avoir un investissement dès le départ. Parce qu'on a eu à peu près 3 semaines là, où on a commencé à travailler et où tous les CESER n'étaient pas arrivés. Ce qu'on a constaté, c'est une appétence pour deux choses. D'abord pour le sujet, l'éducation, tout le monde en pense quelque chose, donc ça tombait bien, et c'était intéressant de s'y exprimer. Mais ça croisait aussi beaucoup de travaux qui avaient déjà été menés par les CESER sur leur territoire, avec la spécificité des CESER d'être régional, mais d'être régional quand même avec une approche politique régionale. Alors que la question de l'éducation, vous le savez, elle est très territorialisée. L'école maternelle et primaire, c'est la commune, le collège, c'est le département, le lycée, c'est la région. Et donc, les CESER qui avaient bossé, par exemple, sur la question de la maternelle et du primaire, c'était quasiment inexistant. Et donc, on a cette question de l'accrochage, c'est-à-dire de la territorialité, et d'avoir un périmètre commun. Mais au-delà de cela, on a aussi un deuxième élément qui a beaucoup intéressé les CESER et qui les intéresse toujours, puisque c'est toujours en cours, c'est à la fois de contribuer à un travail à une échelle nationale. C'est-à-dire qu'ils ont une vision du travail du CESE qui est celui d'un périmètre national, et eux
le voient comme une mosaïque régionale auquel ils peuvent apporter leurs spécificités. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous a un peu bousculé quelquefois. Évidemment, en clair, on parle du même sujet, mais on ne le regarde pas de la même place. Et pourtant, on parle avec des représentants quasiment des mêmes organisations. Il y a donc effectivement une vision territoriale, et en ce sens, le CESE, je le crois, mais je pense que la Commission serait d'accord avec moi, le CESE gagne aussi, comme Albert l'a dit tout à l'heure, en appuyant Convention citoyenne et Commission interne, le CESE gagne aussi à s'appuyer sur des travaux des Césaires et sur l'investissement des Césaires. Dernière chose que je note, c'est une participation très forte. Lorsque nous avons fait, j'ai parlé de l'Allée Vert tout à l'heure, on a été se nourrir sur le terrain, on a fait venir ensuite les gens qui ont participé pour rendre compte, c'est une manière provisoire de rendre compte, les Césaires étaient très présents. Nous avions d'ailleurs plusieurs Césaires qui étaient venus en délégation avec leur présidence, y compris de l'Outre-mer. Et donc, on sent bien qu'il y a une volonté de... Et puis, le dernier tout petit point, c'est parallèle à la participation citoyenne, quoique... Moi, je crois beaucoup au tramage citoyen et au tramage des institutions de débat citoyen. Ce que je constate, puisque je fais partie des vieux qui font leur second mandat, c'est que le dialogue avec les Césaires s'est fortement fluidifié et qu'il y a une pleine compréhension réciproque d'un intérêt commun et d'une volonté commune de travailler. Chacun d'entre nous se souvient d'une crainte que pouvaient avoir les Césaires, une espèce de tutelle du CESE. Tout cela, je crois, s'estompe. Et il y a une vraie volonté d'un intérêt de travail commun. Merci beaucoup. Sophie, l'avantage, le gain d'avoir inclus des citoyens dans vos travaux, d'avoir eu recours à des plateformes, qu'est-ce que ça change au final et c'est quoi la plus-value ? Mais, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on s'est posé la question... Au démarrage de on veut quel type d'information pour en faire quoi, donc on veut interroger qui sur quoi, c'était vraiment très clair au début, donc naturellement les conclusions sont venues nourrir les réflexions du groupe sur des sujets très particuliers. Quand je prenais l'exemple travail et climat, ce qu'on voulait c'est comprendre pourquoi ça n'arrivait pas à décoller comme un sujet de dialogue social dans les entreprises. Donc évidemment là on a eu les éléments de réponse qui venaient répondre à ces questions, et je pense que ça c'est très important de bien se poser cette question au départ. Après, des choses qu'a dit Albert, je crois que ça nous nourrit, mais ça légitime aussi nos avis. Je pense que pour nous en interne, on se sent plus fort d'avoir entendu des paroles d'acteurs de terrain, et pour l'externe du CESE, ça renforce aussi la légitimité de nos avis que de voir qu'on a pris ce temps d'aller écouter les personnes qui sont concernées par nos avis. Donc nourrir et légitimer, ça je pense que c'est quelque chose qui apporte beaucoup. On a quand même toujours eu des retours très positifs des personnes qui sont associées. Et je pense que ça, c'est pas un effet collatéral. Tant pis, je l'ai dit en anglais. En plus, ça fait un petit peu du bien au CESE. Non, ça inscrit le processus démocratique de façon forte dans le quotidien de gens qui ne voyaient même pas ce que c'était que le CESE, mais surtout... qui ont du mal à penser qu'il y a encore des espaces d'expression, de débat apaisé et de co-construction d'un certain nombre de sujets. Donc c'est un apprentissage de démocratie qui est essentiel et qui nourrit nos avis, mais globalement les travaux du CESE. Et puis je dirais aussi une chose, c'est que... sur la redevabilité, bien évidemment, il y a eu un webinaire pour pouvoir expliquer ce qui avait été fait sur un avis, un livret sur un autre. Mais il y a aussi toute la mobilisation des organisations qui sont au CESE et qui portent ensuite très fortement ce qu'on a fait, et renforcé par la légitimité justement de cette consultation. Moi, je suis marquée dans les deux derniers avis là, du CESE, mais c'est des dizaines de présentations que les rapporteurs ont fait. Quand je dis des dizaines, c'est que c'est des 50, 60 interventions pour aller porter ces avis, et souvent, dans les organisations qui ont été impliquées dans la participation citoyenne, on trouve là des relais très importants des avis qu'on porte. Et par contre, il y a un sujet sur lequel je me dis
il y a peut-être encore un progrès collectif c'est à faire. C'est la dernière question. alors je dirais... Ou alors tu l'utilises. Angeline, le fait d'avoir des citoyens tirés au sort dans une commission, ça nous oblige. Ça nous oblige à quoi? Et en quoi ça change et ça améliore la qualité de notre dialogue? Alors, je pense que déjà, ça nous a obligés, nous, en tant que commission, à travailler différemment. Peut-être à moins utiliser d'acronymes, à essayer d'être plus clair, plus explicite, parce que ça nous permet aussi de mesurer, y compris, y compris pour les organisations du CESE qui portent un certain nombre de choses, à être aussi plus pédagogues, y compris dans leurs interventions. Je pense qu'aussi, on a aussi demandé aux intervenants d'être aussi... Enfin, ils étaient d'ailleurs très intéressés par le fait qu'il y ait une participation citoyenne, mais on leur a également demandé aussi d'intervenir dans ce cadre-là. Et en fait, dans la commission, il y a quelques experts du sujet, il y avait quelques experts du sujet, mais toute la commission n'était pas experte, donc je pense que ça a également contribué à l'ensemble de la commission et pas seulement aux citoyens. Ça nous a obligés à ça, et je pense que ça a été vraiment un souci aussi, on a partagé avec notre rapporteur Martine Vigneault, ça a été également ça nous a obligés à comment on prend en compte aussi les propositions, comment on les partage avec eux, et parce que je pense que en fait on était sur les questions de financement et la question c'était et d'ailleurs que nous ont apporté posé aussi les citoyens, c'est que si on doit augmenter des cotisations, des taxes, des impôts, etc., trouver des nouvelles sources de financement, il faut que les citoyens et les citoyennes comprennent. Et je pense que c'est dans ce sens-là où, sur ces questions d'acceptabilité, c'est dans ce sens-là où l'exercice qu'on a fait en commission a été aussi essentiel à ce sujet-là. Merci beaucoup. Je crois que la Convention pour le climat a au moins fait la démonstration que même les sujets techniques étaient accessibles à tous. Et c'est vraiment l'idée qui sous-tend la participation ici, c'est de ne laisser personne de côté, y compris ceux qui n'ont jamais la parole. Sébastien, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais eu la parole avant cette saisine, qui sont intervenues dans la saisine, que ce soit au travers de la poste ou d'autres manières. Comment ça enrichit les travaux, mais comment ça oblige la commission à faire différemment? Qu'est-ce qui a changé après cette saisine? Alors je pense que ça a été l'essentiel, en fait. Hein. La participation, c'est l'essentiel, en fait, finalement, du contenu de cet avis. Puisqu'on n'aurait pas eu, vraiment de plus-value à faire un énième rapport, en fait, sur les mobilités en territoire peu dense. Il y en a eu plusieurs. Donc l'idée, c'était justement d'aller toucher ces publics. Et effectivement, les retours qu'on a eus, ça nous a obligés d'abord à revoir plusieurs fois les préconisations. On a dû les revoir 3-4 fois, en fait. Parce qu'à différentes phases, on avait une espèce de validation. Donc, on avait une première tendance, comme je le disais. Donc, on a d'abord élaboré des pistes. Et puis, donc, dans les débats qu'on avait, on a dit, oui, on a entendu ça en audition. Oui, mais bon, en même temps, il y a la parole des citoyens, c'est celle-là. Donc, en fait, cette préconisation, il est important qu'on la maintienne dans l'État. Donc, on voit que ça a eu une influence importante, un point important, en fait, sur les choix qu'on a fait dans les préconisations. Et puis, ensuite, on a quand même eu cette journée délibérative, où là, pour le coup, c'était un peu l'épreuve du feu. C'est-à-dire que les préconisations, on avait 30 citoyennes, citoyens volontaires qui avaient participé à la première phase et qui, eux, sont venus regarder au crible, alors avec des petits groupes de travail, est-ce que ça répondait déjà aux besoins, ces préconisations-là? Globalement, le retour a été plutôt oui, puisqu'on n'a pas eu de préconisation sans vote. On avait fait voter, en fait, les citoyennes et les citoyens lors de cette journée. Elles ont toutes été votées, plus ou moins, évidemment, avec un score plus ou moins haut. Du coup, ça nous a permis aussi de voir ce qui était le plus important dans les préconisations, dans la présentation qu'on a pu en faire ensuite au nom de la commission devant l'Assemblée. Et puis les préconisations, dans cette phase, elles ont été enrichies. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des idées nouvelles qui sont encore venues au moment de la journée délibérative.
des idées très concrètes. Hein. Par exemple, l'idée d'avoir des prêts à taux zéro, en fait, pour l'usage en fait, de longue durée sur des véhicules. Des idées sur les véhicules intermédiaires. Enfin, quelque chose que, voilà, qui n'est pas forcément dans le scope, qu'on aurait peut-être moins identifié en fait, uniquement dans des auditions. Donc vraiment des idées qui sont remontées du vécu, effectivement, du quotidien des citoyens. Et puis, comme on a eu un suivi, évidemment, de là, puisque la redevabilité est importante, on a fait un webinaire de redevabilité, on a gardé un contact. Effectivement, les citoyennes et les citoyens sont des relais. Je pense qu'il faut voir la participation citoyenne aussi en dynamique. Donc, dans ces contacts qu'on a eus, après, les remontées, effectivement, que nous ont fait les citoyennes et les citoyens, c'est aussi, c'est ce que disait Sophie, notamment. Enfin, je pense que c'est cet apprentissage de la démocratie un peu plus directe. Certaines et certains qui pourtant pouvaient parfois être engagés dans des associations locales ont dit que c'était extraordinaire en fait, ce qu'on a vécu, d'avoir comme ça la parole, de pouvoir participer à l'élaboration d'un avis voilà, qui peut avoir une incidence sur les politiques publiques. C'est une expérience effectivement qu'on n'avait pas eue. Et donc je pense que ça, effectivement, ça a du prix. Et je pense qu'évidemment, il faut qu'on continue à le renforcer. Claire Toury, Albert Insenthaler, comment justement, vous l'avez dit hein, tout à l'heure, quand on est ici, on a un mandat d'une organisation, il y a donc forcément une plus-value. Comment on articule cette parole individuelle avec la parole collective des organisations? Comment ce chemin se fait? Vous l'avez évoqué l'un et l'autre en filigrane tout à l'heure. Vous voulez bien compléter? J'y vais. Je ne vais pas redire ce qu'a dit Albert, mais en fait, je pense que pour essayer de répondre à la question, il faut peut-être remonter un peu d'un cran et se dire, bon, si on prend la question de la fin de vie, finalement, le sujet, ce n'est pas quel débat on a dans la maison. Ce n'est pas seulement ça, le sujet. C'est qu'il y a un débat national sur la fin de vie qui a été lancé. Je vous rappelle rapidement, mais l'avis du Comité consultatif national d'éthique qui remet un avis voilà, et qui pose une parole d'expert scientifique, de grand sage, avec une production qui ouvre une porte à une éventuelle aide à mourir. Donc ça commence en septembre 2022. Puis, suite à ça, il y a l'annonce d'une convention citoyenne sur la fin de vie et plus largement d'un débat national sur la fin de vie qui va être alimenté par tout un tas de contributeurs. Et parmi les contributeurs, il y a la contribution citoyenne, directe, qui est organisée par la Convention citoyenne, mais qui est elle-même organisée par le CESE. Et ça, je pense que c'est important de rappeler que la méthode CESE, elle n'est pas pour rien dans la manière dont s'est déroulé cet exercice démocratique. Et parmi les contributions, il y a aussi la contribution de la société civile organisée. Qu'est-ce que la société civile organisée a à dire sur la fin de vie aujourd'hui en France? Et là, c'est là où on se retrouve dans une situation qui est à la fois... qui est complexe, mais dans tous les sens du terme. C'est que la production citoyenne et la production de la société civile organisée ont lieu dans le même endroit. Et finalement, d'une certaine manière, avec des acteurs qui se parlent, parce qu'on ne fonctionne pas en silo et encore heureux. Et donc le défi, c'est de savoir comment on assume que c'est deux productions différentes, avec deux légitimités différentes, des légitimités qui s'adossent à d'autres. Hein, la légitimité du CCNE, la légitimité des organisations militantes, la légitimité des soignants, etc. etc. Mais c'est bien deux légitimités différentes dont on a absolument besoin. Puisque pour reprendre ce que disait Thierry Baudet en introduction, on est arrivé à un moment où la construction de la décision nécessite d'être alimentée par tout un tas de parties prenantes différentes. Et à la fin, les légitimités sont différentes, mais le problème auquel on est confronté reste le même, et il se pose finalement pour la plupart de nos travaux et la plupart des exercices de démocratie participative, comment on garantit des débouchés politiques à ce qui est produit dans ces espaces et comment on garantit que cette production démocratique, ces productions démocratiques influencent vraiment la construction de la décision. Et ça, on a les mêmes difficultés. Juste un mot, Albert, si tu veux compléter. Alors, juste un mot, je voulais vous raconter une anecdote à l'occasion d'une rencontre avec une délégation de la Convention citoyenne et les ministres concernés, c'était au CESE. Il se trouve qu'à côté de moi, il y avait une dame qui participait à la convention qui venait de Colmar. Donc, on a causé, puisqu'on est un peu pays, etc. Bon, elle me raconte un truc incroyable, et ça me semble tout à fait important de vous le partager. Il se trouve que quand elle est revenue de la convention, un dimanche, le train est tombé en panne entre Paris et Strasbourg, ou je ne sais pas exactement où. Et elle me raconte que... comme tout le monde attendait, elle ne savait pas trop quoi faire, elle s'est levée, elle a pris la parole, elle a interpellé la totalité du wagon, elle a expliqué ce qu'elle faisait,
qu'elle était membre de la Convention citoyenne, qu'elle participait à un débat sur la fin de vie, et elle organisait un débat sur le pouce, comme ça, dans le wagon, autour de la fin de vie. Enfin, c'est absolument incroyable, ce truc-là. C'est la magie de la participation. Voilà, mais exactement, mais c'est la conclusion à laquelle je vais aboutir, c'est que finalement, on met en place des dispositifs, mais alors de valorisation et d'enrichissement de la démocratie et de la valeur d'une décision en fait partagée qui est une richesse incroyable. Et il faut qu'on en prenne la mesure. C'est ça. Je rappelle qu'il y a 12 citoyens de la Convention climat qui ensuite se sont présentés aux élections, alors que pour la plupart, ils n'allaient plus voter. Sophie, juste un mot. Et pour demain? Oui, non, ça va très vite. Ce que je voulais dire, c'est là où je pense qu'on doit progresser, c'est justement à rendre compte, à rendre visible cette méthode CESE, ce qu'il y a dans quand on parle de la méthode CESE, quand on parle de la participation citoyenne. Quand on fait une plateforme, ce n'est pas comme quand on fait un sondage. Ce n'est pas la même valeur, ça n'est pas le même usage et ça ne participe pas du même process itératif, co-constructif, réflexif, qui va prendre un petit peu de temps et qui fait qu'on arrive des fois à des propositions où les mêmes acteurs en dehors, dans d'autres configurations, ne peuvent pas aboutir à ces sujets-là. Et ça, je pense que c'est quelque chose de la méthode CESE qu'on a du mal à rendre visible et à faire partager avec l'extérieur. On en parlait ce matin encore en commission. On a une préconisation, je pense, je fais un beau teasing pour le 23 avril, qui est un petit peu, qui vient remuer. Et en fait, pour nous, elle est devenue évidente parce qu'il y a eu tout le temps de cette maturation, de cette co-construction. Et ça, c'est vraiment pour moi le gros challenge, la chose la plus difficile à faire comprendre et pour donner de la force et de la confiance aussi dans nos avis pour, vis-à-vis de l'extérieur. C'est effectivement un point très important, c'est cette méthode CESE pour faire dialoguer à nouveau la société, mais aussi le fait de s'engager, le fait d'oser, le fait de se sentir capable de contribuer aux politiques publiques. C'était bien un des prérequis, une des intentions du CESE en allant sur ce sujet de la participation. Merci beaucoup, on va donner le micro, ne bougez pas, on va donner le micro à la salle. Vous avez des questions, il vous suffit d'appuyer sur votre bouton requête et pour compléter ou pour aller plus loin. Et alors, il faut préciser que l'ensemble des commissions, évidemment, a eu recours à la participation citoyenne. Donc, il y a aussi d'autres présidents de commissions qui sont dans la salle et qui ne sont pas intervenus. Ils peuvent évidemment prendre la parole aussi à cette occasion. Et je vais donner la parole à Fabienne Rouchy. Oui, bonjour à toutes et à tous. Si nous pouvons nous féliciter de tout ce qui a pu être fait ou expérimenté ici, sous diverses formes que vous avez rappelées, pour favoriser l'association et la participation du public qui contribue à un enrichissement collectif et constitue des points d'appui, nous nous interrogeons sur la prise en compte réelle de tout ce travail du CESE par le gouvernement suite à ses propres saisines, notamment alors qu'il proclame sa volonté de renouveau démocratique. Ces saisines ne doivent pas servir d'alibi à des politiques descendantes qui, de toute façon, perdent en crédibilité lorsqu'elles sont mises en œuvre de manière autoritaire et sont de fait déconnectées des besoins de la population. Et l'attitude des dirigeants de notre pays vis-à-vis de nos travaux peut relever du même mépris que celui qu'ils affichent régulièrement vis-à-vis des organisations syndicales dans le cadre de prétendues négociations qui aboutissent à des réformes assassines pour les droits des travailleurs. Donc pourtant, ne pas faire vivre la démocratie sociale dans cet exemple est toujours dangereux pour la démocratie en général et participe, comme à d'autres époques, au développement de thèses d'extrême droite. À l'opposé, le CESE pourrait être un lieu de résistance permettant de faire vivre la démocratie et renaître la confiance dans toute la société en associant précisément ses composantes organisées et le public. Dans ce contexte, ne faudrait-il pas réfléchir à une stratégie et à des outils pour que nos avis et nos travaux soient réellement pris en compte, c'est-à-dire mieux valorisés par notre Assemblée vis-à-vis du gouvernement? Merci beaucoup. Alors, sans dévoiler ce qui va se passer pour le prochain Faire CESE, effectivement, ces questions-là vont être, nous allons les traiter ensemble pour voir comment on peut aller plus loin. Mais le CESE n'est pas étanche à ce qui se passe dehors. Peut-être l'un d'entre vous veut réagir rapidement à ce qui vient d'être dit. Vas-y, Sébastien.
Oui, alors, enfin, pour dire qu'effectivement, c'est un problème que nous avons collectivement. C'est pour ça qu'on va s'en emparer. Mais moi, pour l'avoir du coup touché du doigt au moment du, justement, du webinaire de redevabilité, parce qu'on dit, bon, mais maintenant qu'on a participé, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais alors, d'abord, c'est pas que le gouvernement. Enfin, il y a des choses qui se font malgré le gouvernement ou à côté du gouvernement. Et je veux dire, ça, c'est à nous aussi de faire vivre, encore une fois, cette participation citoyenne, ce réseau, dans les préconisations que nous pouvons faire vivre, notamment dans les territoires où nous pouvons avoir un rôle. Et enfin, moi, je peux témoigner que sur la vie, effectivement, sur les mobilités, ça a permis de s'insérer aussi dans certains réseaux qui permettent aujourd'hui de participer à des projets territoriaux. Et donc, dans la suite de la vie, dans le déploiement de la vie, ça a vraiment une grande valeur. Deuxièmement, je pense que le sujet, c'est que déjà, si on fait vivre l'envie de démocratie, c'est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi, en tant qu'assemblée consultative, le fait de faire ça, ça nous permet de maintenir une mobilisation qui va peser. Enfin, c'est un peu ce qu'on peut dire quand on revoit les citoyens en redevabilité, en disant, mais vous êtes, enfin, on a été ensemble pour élaborer ça, on est toujours ensemble pour continuer à les pousser. Alors évidemment, ça a une certaine limite, hein, si on n'a jamais de réponse. Mais voilà, je pense que ça, c'est loin d'être vain, parce qu'on entretient cette dynamique d'envie de démocratie. Visiblement, de toute façon, ça ne peut que renforcer la redevabilité due au CESE d'y associer des citoyens. Antoine Gatté. Merci. Merci pour vos témoignages. C'est marrant la forme, c'est très protocolaire alors qu'on est quand même entre nous et qu'on peut se dire les choses. Mais une première remarque, c'est, effectivement, c'est public. Oui, non, c'est bien. c'est bien qu'on valorise les citoyennes et les citoyens qui participent à ces exercices-là. Ça serait bien aussi qu'on valorise les citoyennes et les citoyens qui sont membres des organisations qui composent le CESE. Voilà, moi, je suis responsable d'une fédération de 6200 associations qui sont composées de citoyennes et de citoyens. Vous savez qu'en ce moment, on a des difficultés assez importantes sur la reconnaissance des libertés associatives, sur la reconnaissance du rôle citoyen dans ces cadres-là. Et c'est juste une petite alerte. Moi, j'ai l'impression des fois, alors c'est un ressenti, hein, et je sais que ce n'est pas la volonté du CESE, qu'on déploie beaucoup de choses sur la participation citoyenne et sur ces instruments-là, et peut-être au détriment des fois de la valorisation des organisations du CESE, de la valorisation de l'engagement, de nos engagements à nous en tant que citoyens et citoyennes dans nos organisations et autres. Et un deuxième point sur la question des outils. Encore une fois, la loi organique de 2021, dont on parle beaucoup, elle parle encore une fois de consultation publique. Et si elle parle de consultation publique, c'est parce qu'on a une diversité dans ces formes-là et que ce n'est pas forcément de la consultation citoyenne. Sur les travaux du CESE et la participation aux travaux du CESE, on a les panels de citoyens. Je voudrais juste vous le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier beaucoup. La réforme, la loi organique, elle a fait l'objet d'une réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel du 14 janvier qui dit « Attention, le nombre de participants du public ne saurait que constituer une part limitée du nombre des membres d'une commission, de sorte de ne pas déséquilibrer sa composition et son fonctionnement. » C'est une petite alerte, et moi j'ai eu l'impression que sur certains travaux, quand on a 15 citoyennes et citoyens sur une commission d'une vingtaine de personnes, je pense qu'on n'est plus dans l'équilibre qui permettrait d'associer sans perdre d'équilibre. Et donc ça, c'est un point de vigilance. Et le deuxième point de vigilance, c'est le fait de parler de la même chose quand on parle. Je veux faire remarquer le fait que sur les travaux 2024, jusqu'à présent, les travaux en cours, plus de la moitié ne sont pas des associations de citoyens, mais sont des associations d'acteurs et d'actrices des politiques qu'on interroge. C'est-à-dire pas des individus en tant que citoyens tirés au sort, mais des individus ou des organisations en tant qu'acteurs et actrices, des politiques, parce qu'elles ne sont pas au CESE et parce qu'on a besoin d'avoir leur écoute. Et l'expérience que tu as fait, qui est très bonne, et quelque chose qu'on porte aux jeunes depuis le début, c'est le fait de proposer des préconisations, de travailler des préconisations en commission, et à ce moment-là, d'aller les confronter avec les acteurs et les actrices de ces politiques-là pour voir ce qu'elles en pensent. Et ça, c'est super. Et je pense que la DPC aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on aimerait et qu'on redemande ici officiellement qu'on puisse enfin avoir un bilan clair, détaillé de l'ensemble des instruments et qu'on se mette d'accord sur le fait que la participation et les consultations publiques auprès des acteurs font aussi partie des instruments de la DPC, même si ça ne s'appelle pas de la participation citoyenne, et qu'on développe et qu'on construise ces instruments-là qui sont les plus importants. Merci Antoine de rappeler que l'un ne s'oppose pas à l'autre. Peut-être Jean-Carl, tu veux compléter et aller plus loin
Ça s'adressait à toi, a priori, donc... Non ? Bon. C'est toi qui as parlé du sujet. Donc... Eh bien, la réponse va être bref. Non, ça ne s'adressait pas à moi. Non, c'est pas parce qu'Antoine et moi dialoguons souvent sur ce sujet dans la commission. Non, non, sincèrement, enfin, voilà, où on engage le débat, mais ce n'est pas Jean-Carl, c'est tout le monde, puisque le débat qu'il pose est un débat de fond. C'est toi qui as le micro. Hein. Et juste, bah, parce que tu m'as invité à le prendre, et juste, je dois dire que je suis assez d'accord à titre personnel, mais pas à titre de président de commission, avec ce qu'a dit Antoine, que, un, ça nécessite en termes de méthodo de faire un bilan, ça c'est une évidence, puisque de toute manière, il faut que nous avancions. Et en plus, il faut qu'on donne un cadre à nos équipes techniques. C'est essentiel pour qu'elles puissent travailler. Et la deuxième chose, c'est que je crois franchement que tout ça est affaire d'équilibre. Et ça tombe bien dans la maison où on recherche le débat serein, le débat équilibré, que nous cherchions aussi la parole équilibrée. Comme le disait Claire tout à l'heure, je trouve que la formule est jolie, il s'agit bien d'additionner, c'est pas des légitimités, ou c'est Albert qui le disait, pardon, mais peu importe, additionner des légitimités et non pas délégitimiser des paroles. Merci beaucoup. Patrick Lévivet. C'est Marie-Claire. Moi, j'ai deux questions, plutôt pour d'ailleurs Claire et peut-être Albert. L'expérience de la Convention de la vie citoyenne montre d'abord, Claire, tu l'as dit tout à l'heure, qu'il y a plusieurs légitimités qui sont nées sur la question, par exemple, tu as soulevé une question tout à l'heure sur la fin de vie, la multiplicité des légitimités, d'un côté, et la capacité qu'ont les pouvoirs publics, le législateur, à entendre ces légitimités. Et elles sont évidemment diverses, complexes et parfois antagonistes. Et donc, en fait, est-ce que, suite à ce processus de la Convention, tu as quelques réflexions qui sont nées sur comment on fait le dernier kilomètre de la conviction des pouvoirs publics, ou comment on fabrique précisément ce dernier kilomètre de rassemblement des différentes positions qui peuvent exister ici ou là, parce que c'est un vrai sujet, puisque la question qu'on se pose en permanence, c'est l'efficacité de notre propre travail, c'est-à-dire la capacité à influencer les politiques publiques. C'est évidemment ce qui nous obsède tous, et que les travaux ne restent pas dans les tiroirs. Alors c'est vrai d'un côté sur les avis, c'est a fortiori vrai sur la question de convention citoyenne. Donc ça, c'est la première question. Puis la deuxième question que je me suis posée beaucoup, c'est qu'au fond, quand on fait une convention citoyenne, là aussi, c'est l'expérience que vous avez et qui m'interpelle, m'intéresse. C'est quand on fait une convention citoyenne, au fond, on prend 100, 200, peu importe, citoyens. Ils arrivent avec leurs convictions. Et force est de constater qu'ils évoluent fortement au fur et à mesure, à la fois de l'apprentissage qui est le leur, des échanges qu'ils ont et des interactions que produit cette convention citoyenne de tous ordres. Mais quand ils sortent avec un avis, ils ne sont plus les citoyens qu'ils étaient à l'entrée, et donc ils ont pris, il y a un écart avec ce qu'est la société elle-même. D'une certaine manière, si on faisait un sondage au début et un sondage à la fin, on n'aurait plus la même chose, on n'aurait plus les mêmes positions. Et donc, est-ce qu'il y a une réflexion qui a commencé sur comment est-ce qu'on fabrique à la fois, la première question était tournée vers le pouvoir public, et la deuxième, est-ce qu'il n'y aura pas un sujet? Comment est-ce qu'on arrive à percoler dans la société, à faire évoluer la société, eu égard au fait qu'on peut penser qu'une convention citoyenne, évidemment, à la suite de tes travaux, est plus intelligente que la somme des individus qui composent la société, et donc l'influence de la société serait utile, au-delà de ce qui vient d'être dit dans nos organisations. Est-ce que c'est un débat ou un échange que vous avez eu post-convention? Vas-y. Les deux questions que tu poses, elles s'articulent. La première question, c'est la question des débouchés politiques. La deuxième question, c'est comment des mini-publics deviennent des maxi-publics, en gros. Et finalement, ça va un peu de pair, d'une certaine manière. Peut-être que les mini-publics deviendront des maxi-publics le jour où les débouchés politiques seront davantage garantis, ou inversement. Donc, j'ai pas de réponse toute faite. Par contre, ce que je retiens de la Convention citoyenne, et je parle bien de la convention citoyenne, là, de l'exercice de participation citoyenne qu'on a conduit ici, c'est que pour qu'il fonctionne,
pour qu'il ait fonctionné, c'est un travail de confiance permanent. Et je dis ça parce que ça me permet de répondre en partie à la question que tu poses sur les débouchés politiques. C'est un travail de confiance permanent, c'est un travail d'humilité, c'est un travail où on se remet en question tout le temps. On n'arrive pas avec des certitudes. Enfin, on peut arriver avec des certitudes, mais très rapidement, on se rend compte que ces certitudes-là, elles valent pas grand-chose d'autre que les nôtres. Et c'est aussi bien sur le fond que sur la forme. Et ça, c'est ce qui me semble être la marque de fabrique des conventions, en tout cas de celles qu'on a vécues, je dis ça parce que je n'ai pas vécu l'autre, hein. Celles qu'on a vécues ici, c'est qu'on a réussi à faire ça, et ça a permis, et je le dis parce que enfin, là on fait un bilan hein, quand même le sujet, donc on peut dire ce qui ne va pas, mais on peut dire ce qui va bien, on peut quand même dire que cette convention citoyenne s'est extrêmement bien passée. On a perdu un citoyen parce qu'il a trouvé du boulot. Donc en termes d'implication citoyenne, de vitalité démocratique, etc., ça s'est extrêmement bien passé parce qu'on a travaillé la confiance. Et il me semble, mais là je fais un peu de la psychologie de comptoir, mais il me semble que c'est parce qu'on a travaillé la confiance, parce que ça s'est bien passé, parce qu'on a réussi à parler d'une même voix, aussi bien CESE organisateurs, comités de gouvernance, équipes, citoyens participants, chercheurs, etc., parce qu'on a réussi à parler d'une même voix, qu'on a réussi à créer un rapport de force favorable vis-à-vis du gouvernement, notamment, pour qu'il y ait une écoute qui soit quand même plus grande que celle qu'on aurait pu avoir dans d'autres circonstances. Donc voilà, je pense que je n'ai pas de certitude, mais je pense que le fait que cette convention se soit, enfin, qu'il y ait une telle exigence en matière de confiance, fait que ça a peut-être pu entraîner ça. Et sur comment les mini-publics deviennent des maxi-publics, ça, j'en sais rien, mais je ne sais pas si Albert a... Oui, il me semble que, on se le disait en aparté avec Angélique à l'instant, tout ça participe un peu, finalement, de ce que font les mouvements d'éducation populaire que nous sommes dans nos organisations respectives. J'imagine. On participe aussi de la fabrication non seulement d'opinion, mais de citoyenneté. Et on fabrique de la, j'allais dire, de la densité démocratique. Parce qu'on donne à voir finalement un mode de construction de réflexion collective qui n'est pas uniquement établi sur j'ai raison donc t'as tort, mais sur la recherche de consensus et éventuellement de trouver des solutions partagées, des points de vue partagés. Et tout ça dans le respect des expressions de chacune et chacun, qui est complètement inédit. Chaque fois qu'on parle du CESE et de notre mode de fonctionnement, tout le monde écarquille les yeux. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant et qui fait notre force et qui est sans doute à valoriser. Et sans doute que les politiques auraient intérêt à s'emparer davantage, en tout cas à nous écouter davantage. C'est un conseil qu'on peut leur donner. Hein. En tout cas, parce que chaque fois que le CESE propose un avis, il est élaboré sur la base d'une réflexion extrêmement large, extrêmement partagée. Nos organisations ont été impliquées, ont été dans la boucle, etc. Et tout ça participe finalement d'un développement, d'une vitalité démocratique qu'à mon avis, il faudrait pouvoir aussi faire développer au niveau des Césaires, au niveau des conseils de développement, mais en évitant à ce que ce soit simplement une espèce de consultation factice ou de pacotille, mais en renforçant le devoir de redevabilité que ça génère. Et finalement, en termes d'enjeux démocratiques au moment précis où on est là, c'est considérable, c'est considérable. Merci beaucoup. Je reprends le mot d'un des citoyens que j'ai croisé récemment. Ce qui se passe ici, c'est exactement l'inverse d'une discussion de comptoir. C'est-à-dire que c'est la confrontation de points de vue éclairés et pas juste une confrontation d'opinion. Et c'est bien toute la différence. Participation citoyenne, éducation populaire. Très rapidement, mais Albert a pris une partie de ce que je voulais dire. Mais je vais continuer sur ce qu'il a dit, parce qu'éducation populaire, ça sonne à nos oreilles. Lorsqu'on a lancé en 2018 dans la maison, juste avant les Gilets jaunes, un travail sur l'éducation populaire qui depuis a été présenté devant plus de 2500 personnes à travers des dizaines, plus de 70 moments de présentation en France, dont dans le Var la semaine dernière. Eh bien, l'un de nos collègues a pris le micro le jour du premier débat à la question « Qu'est-ce que pour vous l'éducation populaire ?» Nous n'avions pas encore choisi de travailler dessus. Il a pris le micro et il a dit « Pour moi, l'éducation populaire, c'est Jean-Luc Mélenchon. » Nous étions en 2018. Et il fallait qu'avec ça, nous décidions ou pas de faire une saisine sur l'éducation populaire.
Quelques mois plus tard, ce collègue est monté à la tribune au nom de son groupe. Il a fait une déclaration, vous viendrez me voir, je vous donnerai le nom du groupe, que moi je signe. J'étais rapporteur avec Christian Chevalier de ce travail. Si je dis ça, Patrick, c'est parce que tu as raison de dire que les citoyens ne sortent pas d'ici comme ils y sont rentrés. Mais c'est exactement pareil pour nous. C'est d'ailleurs ce qui confirme ce que disait Antoine tout à l'heure. Nous sommes d'abord des citoyens, militants certes, mais citoyens. Et ça nous renvoie à une question, en tout cas moi, pour mon organisation, mais là je ne parle plus en tant que président, mais en tant que représentant de la Ligue de l'enseignement et du mouvement associatif. Quand on a commencé à travailler dans cette maison sur la fin de vie, à l'époque déjà du rapport Gailly, et ça a continué ici, mon organisation, elle n'avait pas de position sur la fin de vie. J'ai souvenir des collègues de la CFDT qui, entre le premier rapport Gailly et le dernier, ont débattu et pris une position. C'est pareil pour ma maison. Et donc, il a bien fallu qu'on participe à cela. Eh bien, moi, je pense que le travail qu'on a fait, nous, représentants de notre organisation ici, dans le cadre du rapport Gailly, il a aussi permis à nos organisations de mûrir. Et c'est là l'aller-retour des citoyens. C'est là qu'on fait évoluer les choses. Parce que je suis intimement convaincu, à titre tout à fait personnel, que certes, la parole citoyenne, injectée de la parole citoyenne, de la réflexion citoyenne, en plus de la réflexion des représentants d'organisations citoyens que nous sommes, est essentielle. Mais je pense aussi que si nos organisations ne s'emparent pas des sujets que travaille le CESE pour elles-mêmes prendre des positions sur ces sujets, alors nous avons là une perte en ligne de puissance extraordinaire. Et c'est un élément de réponse à la collègue qui a posé la première question. Moi, je regrette, et je parle bien à titre personnel, que nous ne soyons pas assez entendus par les gouvernants, comme tu l'as fait tout à l'heure. Et je pense sincèrement qu'à 84 ou 85 organisations, je ne sais jamais, si nous étions capables de porter au même temps un discours commun que nous avons débattu ici, non seulement on serait entendu, mais on serait très puissant. Merci beaucoup à tous et à toutes. Je vais passer la parole à Michel Chassan et Bernadette Groison pour la deuxième table ronde de cette plénière. Merci Marie-Claire. Et donc nous nous appelons les nouveaux participants à la deuxième table ronde. Donc Catherine Pajares-Sanchez, Jacques Cressel, Elno Hirier, Agathe Hamel, Sylvain Boucheron et Alain André. Si vous voulez bien venir vous installer. Bien. Alors, on va maintenant aborder donc la deuxième table ronde. Cette deuxième table ronde est sur un sujet très différent, même si tout se recoupe. Elle va être consacrée aux enjeux que le CESE s'est, comment dirais-je, fixé en début de mandature, autour de trois axes. Ces trois axes, je vous les rappelle très rapidement. Ce premier axe, c'est la résilience, c'est-à-dire une société plus inclusive et plus solidaire. Le deuxième axe, c'est celui de la transition. La transition, c'est donc accompagner et garantir l'acceptabilité des évolutions écologiques, économiques et sociales. Et le troisième axe, celui de la transformation, c'est-à-dire d'anticiper les grandes évolutions dans un contexte international volatile et instable. Et donc tout un programme. Alors, pour aborder ces thèmes, ces trois axes, nous avons six intervenants qu'on remercie, évidemment, et nous allons vous les présenter. Mais une toute petite remarque préalable, c'est que vous êtes six, donc, par définition, il y a 40 minutes, et si on fait la division,
ça donne 6 à 7 minutes par personne au maximum. Donc ce que nous demandons, c'est évidemment d'être concis dans vos réponses le plus possible. Voilà, donc je laisse à Bernadette le soin de les présenter et de leur poser la première question. Bernadette. Merci. Donc, nous allons parler maintenant effectivement des orientations stratégiques. Thierry Baudet a rappelé dans son introduction que nous avions en début de mandature défini ensemble ces orientations qui sont tout à la fois une boîte à outils dans nos travaux, tout aussi bien qu'un guide dans ce que nous cherchons à faire valoir comme corpus majeur du CESE. Donc, résilience, la société plus juste, plus solidaire. La transformation, comment on anticipe les grandes transformations et puis, bien sûr, les résilience, transformation et transition, pardon. Quelles sont les transitions justes, acceptables? Comment est-ce que l'on rend tout cela possible? Et surtout, que dit la société civile organisée sur ces grands enjeux? Alors, chacun et chacune d'entre vous va nous dire comment votre commission, déjà dans un premier temps, comment votre commission a choisi de travailler sur ces trois axes? Est-ce que vous vous êtes dit en début de mandature, voilà, on a défini trois axes et il faut que quand même on essaye de rentrer dans les axes? Est-ce que c'est tout d'abord les sujets, puisque nous sommes, on n'a pas rappelé le contexte, nous le connaissons tous, mais dans une société, on a tous en tête le rapport quand même de la mandature précédente, fracture et transition, donc on connaît l'état de notre société, on connaît les grands enjeux, les grands défis, dans un contexte international évidemment tout aussi complexe et tendu. Donc est-ce que ce sont les sujets qui ont présidé à la détermination des travaux que vous avez faits? Est-ce que vous êtes rentré par ces orientations que nous avions définies ensemble en début de mandature? Bref, comment s'est effectué ce choix et comment au final, au bout de 2 ans et demi, vous vous dites, quand on fait le bilan, ben finalement on répond à peu près aux 3 orientations que nous avons définies au départ, et puis il y en a non, pourquoi non, et comment ça a été difficile ou pas, et comment finalement ces orientations, elles ont été ce que j'appelais au départ un guide ou pas dans les travaux que vous avez conduits. Alors, on va prendre dans l'ordre alphabétique des commissions, c'est ce que nous avons décidé avec Michel, et c'est celui qui s'affiche en fait, donc ça va très bien. De la commission. Donc la première intervenante, ce sera donc Catherine Pajares et Sanchez. Vous êtes vice-présidente de la commission Affaires européennes et internationales, et donc dans le contexte que j'ai rappelé, comment avez-vous décidé de travailler ces 3 orientations? Alors, nous, ce qu'on a fait, dès le début de la mandature, une fois que nous avions eu connaissance des axes stratégiques, on a mis en place des groupes de travail. Le but n'était pas tant de coller à tout prix, même si les axes de les grandes orientations nous ont guidés, mais plutôt de réfléchir ensemble à quel sujet, vu le contexte économique, politique et géopolitique, nous avions envie de travailler. Donc, 4 groupes de travail qui ont réfléchi à des grandes thématiques, le cadre multilatéral pour lutter contre les distorsions, dans le cadre de la résilience, la santé, l'Europe de la santé. Nous avons également travaillé autour une réflexion autour du modèle européen, démocratie, valeurs européennes. Et ensuite, notre commission s'appelant Europe et internationale, la France à l'international et l'Union européenne à l'international, ce qui nous a permis de dégager une série de thématiques qui se sont traduites par des avis que nous avons présentés. Le dernier étant, que nous venons de terminer, c'est le pacte vert qui sera bientôt présenté devant notre assemblée plénière. Et donc, au bout de ce travail-là, est-ce que vous diriez que, globalement, par rapport aux orientations stratégiques, ça a été facile, difficile de les traiter? Non, ça a été facile, mais nous nous sommes rendus compte qu'en fait, certains sujets étaient transverses. Par exemple, si on prend l'avis sur l'autonomie stratégique de l'Union européenne, elle n'obéit pas qu'à une seule des grandes orientations. Pareil pour le traité plastique. C'est bien la France à l'international, l'Europe à l'international, mais c'est également le sujet transformation. Donc voilà, c'était assez facile, mais en fait, nous nous sommes rendus compte que chacun des thèmes touchait une ou plusieurs des grandes orientations que nous avions définies. Jacques Ressel, pour votre commission, affaires économiques
et fiscale. Est-ce que vous avez travaillé dans ces trois axes stratégiques ? Est-ce que vous avez travaillé de façon équilibrée sur ces trois axes ? Enfin bref, comment vous avez abordé cette question ? Alors très franchement, on a réfléchi ensemble avant de connaître les droits issus de la réflexion collective. Mais il se trouve que par le plus grand des hasards, elles se sont plutôt inscrites dans ces trois termes, en ayant quand même de notre côté un souhait assez particulier de travailler sur deux des thèmes, c'est-à-dire le thème de la transformation, parce qu'on est vraiment sur des sujets assez majeurs, et deuxièmement le thème de la transition. Naturellement, on a évoqué le sujet de la résilience, mais Véronique, l'autre jour, m'ayant traité de président révolutionnaire, on essaie d'être en avance le plus possible et en anticipation sur les sujets. Je prends juste une illustration sur la transformation. On a commencé par réfléchir à un grand sujet qu'on n'avait jamais abordé dans cette enceinte, qui est dans cette assemblée, qui est celui de l'assurance et des nouveaux risques. Le risque cyber, le risque climatique, le risque santé, ce sont des sujets complètement majeurs, je reviendrai tout à l'heure, disant qu'ils sont encore en plus en plein dans l'actualité. D'ailleurs, le gouvernement a demandé un rapport sur le sujet qui vient d'être rendu public. C'est typiquement de l'anticipation sur des sujets majeurs de transformation qui vont complètement tout transformer. Deuxième illustration, ce qu'on a fait sur le financement de la SFEC, la stratégie française énergie-climat, c'est vraiment se poser la question de savoir, face à ce fameux mur d'investissement, comment on fait pour financer tout ça. Et donc, c'est se poser des questions fondamentales sur cet ensemble. Même chose sur l'économie servicielle. L'économie servicielle, c'est quelque chose qui avait fait l'objet de quelques travaux, mais qui n'avait jamais été abordé de manière aussi globale. Donc, on est vraiment dans une démarche d'examen des grandes mutations, des grandes transformations. On a souvent coutume de dire que désormais, no normal is the new normal. J'ose parler anglais ici. Le non normal est le nouveau normal. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on s'est traduit. Sur la transition, on a essayé d'avancer sur des sujets du type consommation durable en liaison avec la commission environnement et sur la tarification de l'eau, par exemple. Grand sujet qui nous a été demandé par la Première ministre Elisabeth Borne, sur lequel on a travaillé en un mois et qui a un impact tout à fait considérable. Nos deux rapporteurs sont demandés partout pour parler de tout ceci. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, on peut en tirer beaucoup d'enseignements sur notre capacité à influencer toute une série de décisions. Et puis sur le côté résilience, il y a naturellement deux rapports importants qui sont les deux rapports annuels sur l'état de la France que nous avons commis, dont nous sommes chargés au nom de l'ensemble du CESE, qui à chaque fois ont eu un impact et dont l'objet est finalement de regarder d'une année sur l'autre quelles sont les grandes évolutions, ce qui change. Et on y reviendra sans doute, nous avons à cette occasion-là fait preuve d'innovation dans les méthodes de façon à faire en sorte de passer de quelque chose qui est obligatoire, je rappelle, c'est le seul rapport que nous devons obligatoirement faire chaque année, à quelque chose de totalement nouveau, avec des sondages, avec de nouveaux types de communication, qui nous a valu un impact beaucoup plus fort qu'on avait jusqu'à maintenant. Vraiment, la première page du monde. Alors, nous passons à Sylvain Boucheron, président de la commission environnement, une commission, bien sûr, comme toutes les autres, mais quand même particulièrement au cœur des enjeux, des défis actuels. Donc, comment la commission, qui produit beaucoup, se dit-il au CESE, comment cette commission a travaillé sur ces trois axes et quels ont été les choix et le bilan que vous en faites à mi-mandat ? Merci. Alors, la manière dont on a travaillé dans la commission environnement, ça a été de croiser à la fois les grandes thématiques qui étaient dans nos orientations stratégiques, et j'y reviendrai juste après, avec une autre intuition qui était, comme le disait le président Baudet en ouverture, d'avoir les bons sujets au bon moment. Et donc, on a essayé de réfléchir à nos thématiques de la manière suivante, en se disant, il y a des thèmes sur lesquels il faut qu'on soit dans des modalités de contribution à des politiques publiques en construction.
Et donc de se dire, voilà, on sait qu'il va y avoir un plan national, il va y avoir un débat parlementaire sur une thématique X ou Y. Et donc comment est-ce que le CESE peut en avance de phase finalement se positionner et produire un avis et des recommandations pour alimenter ce débat-là. Donc ça, ça a été une partie des avis que l'on a produit. Un deuxième aspect a été de se dire, il faut aussi qu'on travaille sur des sujets plus prospectifs. Parfois on parle du CESE comme la chambre du thon long, et ça je crois que c'est très important, puisqu'il y a assez peu finalement d'endroits où on fait discuter des parties prenantes sur les enjeux un petit peu à moyen long terme, essayer de travailler sur les signaux faibles, qu'est-ce qui sont des sujets structurants qui ne sont pas aujourd'hui dans le débat public mais sur lesquels il faut déjà amorcer une réflexion, produire des idées et peut-être identifier des thèmes qui peuvent être plus urgents qu'on pouvait initialement le penser. Et puis la troisième partie, c'était de se dire qu'il faut aussi qu'on puisse travailler avec le gouvernement ou les assemblées, d'essayer d'aller susciter aussi, par rapport à ces thématiques-là, des saisines. Donc ça, c'est les trois typologies finalement de thématiques qui nous ont aidés à structurer notre programme de travail. Alors si on fait le bilan sur les trois orientations stratégiques, sur la catégorie résilience, en fait, on se rend compte que dans l'ensemble de nos avis, finalement, il y a quand même plus ou moins ces grandes dimensions que l'on retrouve. Et alors, je suis un petit peu embêté que le président Cressel ait mis l'avis conso durable dans une autre catégorie que la mienne, mais ce n'est pas très grave. Moi, je l'avais mis dans résilience. Pourquoi ? Puisque ce qui me semblait important dans une de des dimensions de la vie, mais peut-être que ça montre effectivement que les travaux couvrent bien ces thématiques-là, c'était de se dire que dans une société de consommation telle qu'elle est aujourd'hui, on parle du pouvoir d'achat tous les jours, et finalement il y a ceux qui peuvent consommer, ceux qui consomment trop, ceux qui ne peuvent pas consommer, ceux qui choisissent de ne pas consommer. Donc finalement, comment est-ce que on peut travailler sur cette question d'une société plus solidaire, plus inclusive, avec cette dimension de la consommation qui est durable. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi de le mettre dans cette catégorie. Et on a travaillé sur les questions de la sobriété, d'adaptation, où effectivement ces notions de solidarité, d'inclusivité sont tout à fait fondamentales, puisqu'on parle de sobriété dans les modes de vie, dans les politiques publiques, mais évidemment ceux qui ont déjà des modes de vie très sobres parce qu'ils sont subis, comment est-ce qu'on peut les inclure, les associer aussi à la définition de ces politiques pour pas que ce soit la double peine. La question de l'adaptation au changement climatique dont on a rendu l'avis il y a quelques mois, mais bien cela en avance, c'est qu'il va falloir se préparer tout le monde, tous les publics, dont les plus vulnérables, à ces bouleversements majeurs. Sur le sujet des transitions, il y avait trois sujets que je voulais partager. On a travaillé sur la question des énergies renouvelables. C'était le premier avis que l'on a rendu sur ces lignes du gouvernement, qui s'intitulait d'ailleurs « Acceptabilité des énergies renouvelables », ce qui nous a fait réfléchir à cette notion d'acceptabilité. Finalement, est-ce qu'il faut que ce soit, est-ce que derrière cette notion, il n'y a pas finalement quelque chose qu'on impose ? Et donc, comment on travaille aussi sur ces approches-là. Donc, ça a été essentiel. La question du nucléaire, l'analyse de controverse que l'on a fait sur le nucléaire. Et puis, la question sur l'eau, qui était d'ailleurs initialement une saisine qui était dans la catégorie prospective, en se disant bon, on aura des problèmes de l'eau peut-être dans 5, 10, 15 ans, il serait judicieux, on était début 2022, il serait judicieux qu'on s'en saisisse pour essayer d'anticiper un petit peu des choses. Et puis là, quelques mois plus tard, les sécheresses que l'on a connues qui ont continué d'année en année, et finalement on s'est rendu compte que ce n'était pas un sujet prospectif mais qui était bien plus critique que ce qu'on avait pu l'imaginer, et malheureusement on a subi ces impacts au sein du pays et d'ailleurs dans le monde. Et puis pour terminer, sur le sujet de la transformation, peut-être trois avis que je voulais mettre dans cette catégorie. La question des gouvernances, on a beaucoup travaillé sur les sujets de gouvernance, d'abord de la SFEC, la stratégie française énergie-climat. Comment est-ce qu'on imagine piloter, animer, co-construire, ça faisait partie de nos propositions, cette stratégie qui va être évidemment très importante dans les transformations du pays. La question de la gouvernance de la biomasse, hein, une ressource dont tout le monde aujourd'hui aimerait bien avoir accès, mais dont les capacités de production, on le sait, elles sont relativement limitées. Donc comment finalement on partage ? Qui décide qu'il a le droit à utiliser de la biomasse ou pas ? Et donc comment on la répartit ? Donc ça, c'était une question tout à fait fondamentale et je pense qu'elle rentre tout à fait dans cette catégorie. Et puis enfin, le sujet de la biodiversité, évidemment, sur lequel on a fait différentes contributions et qui demande aussi de changer de perspective sur ces questions d'environnement, puisqu'on est dans des approches qui sont tout à fait globales, avec des prismes très différents de ce qui peut être parfois traité comme trop climato-centré, donc avec une approche tout à fait différente de l'environnement. Et donc on a beaucoup travaillé sur cette question de la biodiversité, dont on a collectivement, je vous le rappelle, adopté des avis qui souhaitent la placer au niveau d'importance aussi haut que le climat. Sylvain Boucheron, il y a des avis, il y a d'autres méthodes de travail que vous avez adoptées dans le cadre de votre commission.
en particulier des résolutions, et en particulier des événements. Vous avez organisé un certain nombre d'événements, et plus récemment, des petits déjeuners, j'ai vu ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu ? Oui, sur alors effectivement, on a essayé d'utiliser toute la palette de ce qui est possible de faire dans cette maison. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Alors, les avis sont le format un peu classique de contribution que peut faire le CESE. On peut faire des études, qui sont des travaux plus exploratoires, sans recommandations. On peut faire des résolutions, qui sont des avis plus courts, plutôt centrés sur des politiques, et même contribuer à des déclarations du bureau, qui sont vraiment une contribution à une actualité chaude, je dirais, dans l'opinion publique. Et puis, d'autres événements qui permettent donc des petits déjeuners, des rencontres, on a fait des déplacements aussi sur le terrain qui permettent aussi de pouvoir traiter des sujets, de s'ouvrir l'esprit. On a travaillé, par exemple, on a fait un petit déjeuner sur la question du droit des générations futures, mais qui permettait aussi de mettre cette notion-là en perspective avec d'autres travaux qui étaient en cours. Et donc, voilà, l'idée, c'était de se dire, on est au CESE, il faut qu'on maximise les échanges, les rencontres entre les conseillères et les conseillers sur tout un tas de thématiques, et donc on essaie d'expérimenter voilà, différents formats de travail. Merci. Alors, Agathe Hamel, vous présidez la délégation des droits des femmes. C'est une délégation qui se différencie donc d'une commission dite traditionnelle. Alors, sur ces trois axes que nous avons rappelés tout à l'heure, est-ce que vous avez l'impression que vous avez travaillé en harmonie avec ces trois axes ? Ça vous a posé problème ou pas ? Et est-ce que vous avez l'impression que les travaux produits par votre formation de travail, eh bien, y répondent. Promis, je vais tenir moins de 10 minutes. Il me semble que de toute manière, quand on a réfléchi les axes stratégiques, on les a mis en lien les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'en fait, il faut créer des catégories pour réfléchir, mais ils sont quand même en lien. La résilience, la transformation, la transition, ils ne sont pas séparables en tant que tels. Nous, à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, on a la chance, entre guillemets, d'être de base dans une constitution plutôt en transversalité. Donc dans notre manière de travailler, on est déjà habitué à faire du lien, entre guillemets. En tout cas, moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà cette culture au sein de la délégation. Et ce qu'on a fait, en fait, de manière assez simple, c'est qu'on a regardé quel était l'enjeu le plus crucial sur les 20 prochaines années qui mêle la question de la résilience, la question de la transition et la question de la transformation. Et cet enjeu est quand même arrivé assez rapidement, c'est l'enjeu climatique. Et on s'est dit, comment est-ce que l'enjeu climatique peut être mis en lien avec le sujet qu'on traite au sein de cette délégation, c'est-à-dire l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, du coup, en essayant d'aller travailler ce sujet de manière un peu consistante, puisqu'on a mis, nous, les délégations, alors c'est différent des formations de travail, on a moins de moyens, on se réunit moins souvent, donc on a mis plus de temps à fournir, on va dire, des débouchés et des consensus entre nous, mais c'était aussi important qu'on puisse monter en compétences collectivement, parce que, en tout cas, moi, j'y suis attachée en tant que présidente de formation de travail. Et on a remarqué que dans ce sujet genre et climat, il y a les enjeux de résilience. Comment est-ce qu'on prend en compte les impacts différenciés du changement climatique au niveau français, mais aussi au niveau du monde. Il y a les enjeux de transition. La place et le rôle des femmes, il est majeur. Hein, on ne peut pas faire une transition si on ne pense pas avec 50% de la population mondiale. Et on se rend compte que dans les politiques environnementales, c'est un impensé qui ne fait pas le lien avec les enjeux de genre. Et la question de la transformation. Donc là, on parle plus du modèle, c'était presque voilà, l'endroit sur lequel on a passé pas mal de temps, parce que la transformation, ça demande quand même une certaine, comment dire, il faut forcément laisser une partie de certains privilèges pour arriver à créer un nouveau monde, entre guillemets. Donc sur la transformation, bien sûr, on est allé réfléchir en fait dans ce modèle de société qui abîme et les femmes et la terre, c'est un peu de là dont on est parti. Est-ce qu'il n'y a pas des choses communes sur lesquelles on pourrait agir qui nous permettent d'amener ces transformations. Donc je dirais que oui, on a travaillé ces trois sujets, ces trois enjeux, axes stratégiques, sur nos travaux dans la délégation, dans les réflexions, mais on avait aussi le fait de porter ces enjeux de transformation au sein de l'institution elle-même, puisque on n'est pas encore arrivé à quelque chose il y a encore des enjeux de transversalité. La mission de veille de la délégation qui participe aux autres commissions de travail, c'est un enjeu aussi pour nous-mêmes de transformation au sein de l'institution. Donc je pense qu'il y avait un peu ces deux sujets majeurs qu'on a essayé de prendre à bras le corps au début de la mandature.
Et outre les avis que vous produisez et les études que vous produisez, vous apportez un certain nombre de contributions à un certain nombre de formations de travail. Est-ce qu'il y a des formations de travail avec lesquelles vous avez travaillé de façon plus privilégiée ou pas, ou est-ce que c'est évidemment transversal et ça concerne toutes les formations de travail? Ben, je dirais que ça dépend des sujets, parce que forcément, quand on met les lunettes de genre, entre guillemets, il y a des sujets qui s'y prêtent plus que d'autres. Bien sûr que, par exemple, en commission travail et emploi, en fait, elle n'est plus là, elle est là-bas, il y a eu la question des métiers de la cohésion sociale. Donc là, un secteur, des filières dans lesquelles il y a énormément de femmes, dans lesquelles aussi la question du soin est extrêmement importante et souvent naturalisée. Donc, bien sûr qu'il y a des formations de travail avec lesquelles on a eu, on va dire, plus d'attention à proposer des notes de veille, mais je dirais que ça dépend pas forcément des formations de travail, c'est plus les sujets qui traversent les différentes formations de travail, et puis aussi notre capacité à les porter, tout simplement. Là, on ouvre une réflexion globale sur l'intelligence artificielle. Bien sûr qu'il y a des enjeux de genre dans l'intelligence artificielle, donc je pense qu'on continuera à porter cette mission de veille et de transversalité. Ça dépend aussi des rapporteurs, de leur sensibilité, de leur volonté, capacité à intégrer la notion de genre dans la manière dont on pense les politiques publiques. Si tout le monde savait le faire, on n'aurait pas les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans la manière de produire des politiques publiques. Donc c'est normal de ne pas forcément savoir le faire, ça s'apprend. Et ça demande aussi une expertise spécifique qui n'est pas forcément au sein des différentes administrations, des différentes formations de travail. Merci. Alors, concernant la délégation aux Outre-mer, même question, comment ces trois orientations ont-elles été travaillées? Tout d'abord, un choix de sujet ou une entrée par un questionnement sur ces trois orientations? Et j'ajouterais bien volontiers une question à laquelle d'autres pourront répondre ensuite s'ils souhaitent y revenir. Est-ce que finalement, ces orientations que nous avons définies en début de mandature, elles sont une aide à la réflexion, c'est-à-dire comment au sein de la délégation, elles ont été ou non rediscutées, elles permettent ou non de se dire comment on va traiter le sujet que l'on choisit, ou est-ce que c'est après coup, quand on fait le bilan, qu'on se dit tiens, on a bien collé ou pas aux orientations? Voilà. Et comment ça se passe finalement avec les conseillers et conseillères dans les choix qui sont faits? Qu'est-ce qui préside à ces choix et qu'est-ce que vous en retenez au final à ce bilan de mandature? Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Alors d'abord, je voudrais excuser le président Leung, hein, de la commission, qui, je pense, aurait préféré être avec nous, il a quelques petits soucis de santé. Pour répondre à cette question, en fait, résilience, transformation, transition, ça colle parfaitement au territoire ultramarin, parce que ce sont les plus exposés aujourd'hui aux conséquences d'un certain nombre de choses de cette société. La résilience, alors, c'est particulier, parce qu'il y a la résilience des populations et la résilience des territoires. Concernant les populations, les ultramarins... L'histoire de la plupart des populations ultramarines font qu'ils ont démontré leur résilience souvent dans la souffrance et la déshumanité. Sur les territoires, il y a un grand besoin de résilience, mais c'est lié justement aux questions de transition. Les territoires ultramarins sont les plus exposés aux phénomènes extrêmes liés au changement climatique. Hein. Il y a des populations qui sont dans l'obligation de déménager. Il y a des modèles économiques qui sont remis en question. Et donc, les transformations, c'est aussi comment on avance et comment on pallie par l'organisation à ces questions de transition. Mais sur la résilience, pour revenir, nous, on s'est dit au sein de la délégation, d'abord, où on travaille aussi, nous aussi, très fortement sur les sollicitations des autres, hein, commission. Mais on s'est dit dans la délégation, sur cette question de la résilience, en fait, la priorité, c'est celle de l'égalité républicaine. Ce dont ont le plus besoin les territoires ultramarins aujourd'hui et les populations, c'est la mise à niveau par rapport à l'égalité républicaine. On a traité des sujets comme le pouvoir d'achat, la question de l'eau. Aujourd'hui, on le sait, il y a des questions qui se posent sur la sécurité dans beaucoup de territoires. La question des services publics, où les territoires ne sont pas non plus à égalité par rapport à l'Hexagone. On ne peut pas exiger des populations et des territoires ultramarins d'être résilients avant d'avoir exercé et de travailler sur cette égalité républicaine.
Sur les transitions, bah, ça vient tout naturellement. Hein. On a travaillé notamment dernièrement sur les transitions énergétiques pour les territoires ultramarins. Donc là, ça englobe toutes les questions. Et sur la transformation, bah, en fait, c'est aussi pour répondre à la question. En fait, on a eu une réflexion collective, on a choisi des thèmes. Et ces thèmes, soit ils rentrent dans la case résilience, soit ils rentrent dans la case transformation, soit dans la case transition, même s'il y a du transverse dans chacun d'entre eux, évidemment. Mais donc, c'est tout naturellement. Et là, on entame un nouvel avis qu'on vous proposera, je crois, en octobre, sur les connexions des Outre-mer, sur donc, trois axes, hein, le numérique, les connexions physiques et les connexions maritimes, enfin voilà, et aériennes. Il y a dans les sujets notamment de l'égalité républicaine, il y a la question de la continuité territoriale. C'est un vrai sujet pour les ultramarins. Hein, alors, avec une particularité, quand on est sur... il y a 11 territoires, c'est 11 territoires, c'est 11 cas particuliers. Alors, il y a des territoires qui se ressemblent plus ou moins. Mais donc, la façon de traiter aussi nos travaux, on est en connexion forte avec les Césaires, parce qu'eux-mêmes, ils ont des travaux sur les mêmes sujets où ils les ont fait en amont, où ils s'y intéressent aussi. Et donc, cette volonté de pas avoir un regard hégémonique sur la façon dont il faut traiter les territoires de leur ensemble, mais bien de les respecter dans leur diversité, c'est ce qui est quand même très important par rapport à ces territoires. Alors, on termine ce premier tour avec Elno Herrier, donc sur la commission temporaire cannabis. C'est un petit peu différent, la commission temporaire, puisque évidemment, elle n'est pas prévue dès le départ, donc elle n'est pas ancrée de la même manière. Les conseillers viennent là sur une thématique. Et cette thématique qui a été choisie, elle a été choisie comment finalement? C'est l'actualité, c'est l'envie de traiter le sujet? C'est par rapport aux grandes thématiques, aux grandes orientations du CESE. Et comment finalement une commission temporaire, elle se fonde dans les orientations globales qui sont celles du CESE, alors que, comme son nom l'indique, elle n'a pas vocation à perdurer tout au long de la mandature. Oui, je ne sais pas si c'est une question de chance ou si ça a vachement été réfléchi auparavant, mais en tout cas, il semblerait que le sujet rentre pleinement dans les axes qui ont été présentés juste avant. Et d'où elle vient? Elle vient déjà d'une initiative politique du président Baudet qui a proposé et fait valider cette proposition par le bureau du CESE, qui a décidé d'en faire une commission temporaire sur le sujet du cannabis. Il me semble, en s'inscrivant dans un calendrier politique avec un parti allemand qui soit était sur le point, soit venait de se faire élire, je ne me rappelle plus à l'époque, mais qui proposait une légalisation du cannabis dans son projet politique, avec bien entendu d'autres pays, le Canada étant le plus illustre, mais il y a aussi d'autres exemples qui avaient déjà légalisé plusieurs années auparavant. Et donc, au moins de se poser la question et de traiter le sujet au CESE. Et donc, je disais... je pense, j'espère en tout cas que c'était plutôt comme ça, que ça a été réfléchi en amont, mais on rentre quand même dans les trois axes. C'est-à-dire que quand on parle de résilience, forcément, enfin, des sujets de solidarité, de prévention, on aborde toutes ces questions-là, donc elles sont très actuelles. Et lorsqu'on fait le choix finalement d'arriver, ce qu'on ne savait pas au début bien entendu, une légalisation encadrée, bah, ça demande un choix de société qui ne se fait pas du jour au lendemain. Du coup, des questions de transition, d'acceptabilité, de dialogue, de co-construction d'un nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, pour le coup, il revêt une véritable transformation par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, parce qu'une légalisation encadrée est loin de ce qui est en train de se faire actuellement. Donc, on rentre pleinement dans les axes. Je pense que ça a été réfléchi comme ça. Et on l'a fait, et je prends quelques secondes là-dessus aussi, d'une manière que notre format permettait, puisque contrairement aux deux autres, je crois qu'il n'y a eu que deux autres commissions temporaires depuis le début de mandature, sinon j'ai dormi à certains moments, mais sur des formats très différents, puisque les deux autres commissions ont été saisies
de manière externe, soit par le Parlement, soit dans le même temps que la Convention citoyenne. Là, on s'est auto-saisi, ce qui faisait qu'on était un peu plus maître, je pense, de notre timing et de notre méthodologie. Une méthodologie qu'on a dû aussi créer ensemble. Et enfin, on l'a vu, hein, participation citoyenne, à un moment, on n'y était pas. On s'est posé le sujet, on est revenu dessus parce qu'on s'est dit que finalement, on n'y allait pas. On a fait du aller vers. On a pris 10 mois pour faire les travaux. Ce n'était pas forcément prévu dès le départ, mais en discutant, en voyant le temps qu'on avait besoin pour s'acculturer sur le débat et ensuite d'avoir les débats, puisque les débats ont duré longtemps. Alors, c'était peut-être un luxe. Je ne dis pas que ça veut dire que tous les avis doivent se faire en 10 mois, bien au contraire. Mais ce luxe, il était finalement nécessaire. Il a eu son côté d'obstacle, hein. Enfin, on était un peu sur les rotules à la fin, je pense, toutes et tous dans la commission temporaire. Mais finalement, pour un résultat qui a l'air plutôt pas mal, puisque quand même, on a pas mal d'experts de la question qui nous ont dit que les travaux étaient d'une qualité certaine. Oui, parlons des experts, mais on pourrait peut-être aborder quelques minutes le sujet de la redevabilité. Et vous l'avez tous souligné d'ailleurs dans vos réflexions. Justement, Elnaud, en matière de redevabilité, concernant votre avis, est-ce que vous avez été satisfait de l'écho que ça a eu, de l'impact que ça a eu sur les pouvoirs publics et les décisions qui ont suivi? Et est-ce que, quelque part, vous ne vous sentez pas plus proche de ce qui est en train de se passer en Allemagne que dans notre propre pays? Alors oui, sûrement plus proche de ce qui se passe en Allemagne actuellement. Par contre, on est satisfait de l'écho que ça a eu, parce que je crois que de mémoire de CESE, on a rarement eu un avis aussi consulté, en tout cas dans les premières heures, et je crois que ça continue suite à son adoption, aussi suivi aussi, je crois, sur le moment. On a eu une bonne couverture presse juste après. C'est sûr que, par contre, on ne peut être que déçu pour l'instant de l'impact que ça a sur les politiques publiques. Il faut rappeler qu'on n'a pas été saisi. Enfin, cet avis n'était pas particulièrement attendu par les politiques publiques. On sait qu'on a une politique qui est la même depuis 70 ans maintenant, 50 ans, mais ça a commencé quand même un peu avant, qui n'est pas celle qui est prescrite par notre avis. Donc, on se doutait qu'il n'y aurait pas forcément une écoute ou un impact direct sur les politiques publiques. Par contre, on sait aussi que c'est un rapport et un avis qui auront un impact sur le long terme, qui est consulté dans le milieu, mais finalement aussi, même s'ils ne le disent pas très fort, par de nombreuses institutions, qu'il est quand même assez spécifique dans son approche globale. Il y a très peu de rapports, finalement, y compris celui de l'Assemblée nationale quelques années auparavant, qui va aussi loin sur autant de sujets différents liés au cannabis. Et donc c'est en ça où on a quand même espoir, parce qu'on a quand même eu des choses. On a eu des groupes parlementaires qui nous ont demandé des auditions. On a la mairie de Bègles qui, suite, c'est le jour même qu'il l'a annoncé, le maire de Bègles, suite au vote au CESE, a annoncé vouloir expérimenter au niveau local. Donc on fait pleinement partie de l'initiative en tant que conseiller pour le coup. Donc on sait que ce n'est pas un avis qui va avoir un impact tout de suite, mais sur le long terme, et que Florent et moi, mon co-rapporteur, on va avoir beaucoup de boulot sur les prochaines années là-dessus. C'est peut-être aussi ça l'objectif. Jacques Ressel, vous, en matière de redevabilité, comment vous ressentez les choses en matière de vue de votre commission? Moi, je trouve que globalement, on peut être assez fier de ce qu'on a fait, que ce soit en impact médiatique, ce qui a été évoqué tout à l'heure sur la une du Monde, sur le sondage qu'on a pu faire. Ce n'est pas tous les jours. Alors après, on peut se dire, ils n'ont pas titré sur la bonne chose, la bonne conclusion et autres. Mais n'empêche que le fait que des journaux mettent le CESE en avant de cette façon-là, c'est important. Sur l'assurance que j'évoquais tout à l'heure, en permanence, nous sommes auditionnés par le Parlement sur des sujets de ce type-là. On a sur la tarification de l'eau encore des articles sortis ces derniers jours. Donc on fait des choses qui sont assez récurrentes. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement il y a des sorties au moment où ça se fait, mais que ça se poursuit. Et en réfléchissant à cette table ronde, je me disais que finalement, il y a quelques clés qui sont utiles dans la réussite de tout ça. La première, c'est d'être en anticipation. Plus on est en anticipation, plus on a de chances d'avoir un impact et un impact qui dure. Deuxièmement, il faut qu'on fasse des avis qui soient courts et concrets. Quand on a des propositions concrètes, comme ça a été le cas, par exemple, sur la tarification de l'eau, on a un impact immédiat, tout simplement parce que le JT de 20h sur TF1 ou sur France Télévisions
eh bien, quand c'est concret, que ça touche à la vie quotidienne des Français, ça a plus d'impact que si c'est autre chose. Troisième élément qui me paraît essentiel, c'est de faire en sorte d'essayer d'utiliser au maximum les nouvelles méthodes. On l'a vu dans la première table ronde, nous on l'a essayé, on a travaillé ensemble, on a fait un groupe de travail de l'ensemble des commissions et des délégations pour imaginer le nouveau rapport annuel sur l'état de la France. On a tiré la conclusion qu'il fallait revoir complètement la façon dont on travaillait, qu'il fallait mettre en avant non seulement des statistiques, mais des études et même des sondages. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a réussi à avoir un impact plus fort, qui, naturellement, il va falloir développer. Et puis, dernier point dont on ne parle pas beaucoup, c'est que moi, je suis totalement persuadé que plus on arrive à faire en sorte qu'il y ait un consensus fort sur ce que nous adoptons, et plus nous avons un impact. Sur les 6 rapports dont nous avons été directement, les 6 avis que nous avons adoptés à l'initiative de la Commission d'économie et des finances, il y a eu au total 0 vote contre. 0 vote contre. Et ça, je trouve que c'est non seulement important, parce que quand un avis où il y a des choses dedans peut être voté de cette façon-là, on a plus d'impact, mais que par contre, je pense que nous ne faisons pas assez de communication sur ceci, parce que très honnêtement, arriver à faire en sorte que sur le financement de la transition environnementale, nous soyons capables d'avoir un avis unanime sur des choses aussi difficiles que ça, je trouve qu'on doit en être particulièrement fiers. Alors, vu de la commission, oui. Oui, pour qu'on ait la place pour un dernier commentaire. Secteur de mobilité, alors effectivement, je trouve que sur la partie communication et presse, on s'améliore pas mal. Je crois qu'une des difficultés à laquelle on est confronté, c'est que cette question du consensus, elle est mal perçue aujourd'hui par le monde politique. On est quand même dans un monde où finalement, qui est très fragmenté, et ce que l'on recherche, c'est le clash, c'est même la surenchère du clash, et finalement, tout le monde cherche des marqueurs politiques, et donc quelque chose qui est consensuel, il n'y a pas de marqueur politique. Donc je crois qu'il va falloir aussi que le monde politique puisse prendre peut-être un tout petit peu de temps pour réfléchir à ce que l'on fait ici et en quoi ça peut être utile à notre pays. Tout à l'heure, on disait, est-ce qu'on travaille trop en commission environnement? Je ne sais pas si on travaille beaucoup ou trop. En tout cas, on essaie d'être utile à notre pays, et c'est ce qu'on essaie de faire tous ensemble au sein de cette maison. Et un deuxième mot sur la redevabilité, c'est aussi nous vis-à-vis de nos membres. Et moi, je tiens à remercier l'ensemble des membres de la commission, parce que ce que l'on arrive à le faire, c'est parce que tout le monde s'implique énormément dans les travaux. Ils portent des avis, ils font des recherches, ils travaillent en dehors des séances. Et je crois que ça, on peut aussi le souligner, il y a un vrai renouveau au sein de cette maison, on innove dans les méthodes et je crois qu'on est en train de transformer profondément cette maison et que ce sera très utile pour la démocratie à venir. Catherine, vu de votre commission, et votre commission c'est Affaires européennes et internationales. Est-ce que dans le rapport européen et international, c'est quel rapport Alors, les travaux. Oui, effectivement, c'est Europe et international, on a traité à la fois d'avis vraiment circonscrits à l'Union européenne, mais aussi des avis plus larges visant l'international, comme par exemple l'avis sur le traité contre la pollution plastique, qui là est bien tombé. En termes médiatiques, on a eu beaucoup de retours, parce qu'au même moment où on a voté notre avis, s'ouvrait à Paris une des sessions de négociation sur ce fameux traité international de lutte contre la pollution plastique. Et nos deux co-rapporteurs, Sabine Roude-Bézieux et puis, que je ne dise pas de bêtises, Nathalie Van Broek, ont été invités par le ministre de l'époque de la transition écologique, ont participé aux séances de préparation des négociations. Et ça a permis que le CESE soit bien identifié comme le lieu de la société civile organisée, porteur de propositions équilibrées. Et là, on a une couverture médiatique. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de couverture médiatique que nos travaux de la commission n'ont pas fait l'objet de prise en compte. Par exemple, l'avis sur pour l'autonomie stratégique de l'Europe, les médias s'en sont peu intéressés. Néanmoins, certaines de nos propositions ont été reprises, ont donné lieu à des échanges. Catherine Lyon et Olivier Meunier, qui à l'époque étaient les deux rapporteurs, ont eu des échanges avec les parlementaires européens. Sur l'Europe de la santé, c'est pareil, ça a peu intéressé les médias, mais néanmoins, on a alimenté les échanges au niveau de l'Union européenne avec d'autres partenaires, comme le CESE européen, avec qui, quand même, on collabore.
Donc on ne peut pas dire que l'absence de visibilité médiatique fait que nous n'avons pas pu porter des avis qui, sur le long terme, ont proposé des choses qui ont été intégrées ou en tout cas qui ont alimenté le débat public. Je pense qu'il faut distinguer les deux. Et c'est très important. OK. Allez, André, votre position concernant les... Oui, alors pour ce qui nous concerne, en fait, moi je vais le mettre sur deux plans. Nous, on a un relativement bon contact. Ce matin, Véronique Bierney-Roche était avec la nouvelle ministre et le président aussi, chez la ministre des Outre-mer. On a de bons contacts avec les assemblées, enfin l'Assemblée et le Sénat. Vraiment, ils s'intéressent à nos travaux, mais peut-être aussi parce qu'on a essayé de positionner nos travaux un petit peu, soit dans le sillage, soit en amont. C'est aussi, à mon avis, une des conditions pour être écouté. Et après, avec le président Leung, on se dit aujourd'hui, cette redevabilité, nous la devons à nous-mêmes. Et on commence à regarder les avis de suite. On a dit quelque chose il y a 3 ans, 4 ans, on a fait des recommandations, et où est-ce qu'on en est? Alors là, quand on se pose ces questions-là, on peut être un peu déçu, parce que, pour citer l'avis sur les transitions énergétiques, on a regardé le précédent qui datait de 2011. En réalité, il n'y a pas beaucoup d'écart entre ce que le CESE formulait en 2011 et ce qu'on formule aujourd'hui. Parce que nous aussi, on se doit cette redevabilité envers nous-mêmes. Le CESE a prescrit des choses, alors même si ce n'était pas la même assemblée, dans la même composition. On a fait un avis de suite sur le plan de relance. Voilà. Je pense qu'il y a cet aspect-là aussi qui est très important. Pour ne pas faire des travaux juste pour faire des travaux. On regarde ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, ce qu'on a préconisé et comment on peut le retravailler éventuellement pour que ça porte plus ses effets. Agathe. Oui. Alors, ça va sonner ou pas? Il va y avoir un gros... Non, ça sonnera okay. pas et puis non, ça sonne pas. Ça sonne pas le micro. Ok, mais je me dépêche. Faut non, mais promis, je suis pas longue. On va répartir la parole. Je suis pas longue, mais en même temps, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais c'est une vision différente, et c'est bien qu'on ait aussi des visions différentes du CESE dans la manière de préciser les formations de travail. En fait, pour moi, se dire que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est des avis courts, je suis vraiment pas sûre. C'est une question que je remets là au collectif. Comment est-ce qu'on peut emmener 89 organisations quand on décide de pousser un sujet pendant 2 mois? Comment est-ce que les gens qui ne sont pas experts du sujet peuvent s'en emparer? Pour moi, il y a des moments incompressibles à la montée en compétences des différentes personnes. Et je pense que quand on démultiplie les avis sur des sujets extrêmement différents, c'est des sujets qui sont portés par 5 personnes de la commission. Et je pense que c'est se mentir que de dire que c'est porté par une commission tout entière. Donc déjà, il y a ça. Mais bon, désolé, je mets les pieds dans le plat. Mais moi personnellement, ce n'est pas comme ça que je travaille au sein de la délégation de Droits Femmes. Parce que je pense que c'est aussi partagé par les membres de la délégation, parce que c'est eux qui font le choix aussi des types de travaux et de combien de temps on met pour les faire, qu'on a besoin d'avoir un temps d'acculturation pour pouvoir proposer des choses pertinentes et des choses qu'on porte collectivement et des choses qui traversent aussi nos organisations, parce qu'on est là pas pour porter notre voix, mais pour porter la voix d'une organisation. Donc ça demande aussi des allers-retours avec les organisations. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que par contre, je suis d'accord sur le fait qu'il faut être précis. Où est-ce qu'on veut aller? Parfois, c'est difficile au début des travaux, parce que justement, on a besoin de rentrer dans le sujet pour savoir où est-ce qu'il y aurait besoin de la voix de la société civile, finalement. Et pour être précis, forcément, il faut essayer d'aller rencontrer différentes personnes, et ça prend quand même un temps. Ensuite, sur la question du vote contre, c'est pareil, en fait. Moi, je l'ai déjà porté au sein de cette institution. Pour moi, le consensus, c'est pas tout le monde est d'accord. C'est aussi parfois, dans la société civile, il y a des majorités. Et c'est ces majorités qui portent la société vers laquelle on veut aller. Et c'est pas forcément, on est d'accord sur tout le temps. Et du coup, moi, je suis très contente aussi. Les différentes choses qu'on apporte en délégation sont votées sans vote contre. Mais j'en ferai pas un critère, on va dire, de la maison, puisque je crois que moi, j'ai pu voter contre des avis, parce que j'étais contre, mais j'étais pas majoritaire. Et donc, l'avis majoritaire qui l'a remporté, va porter ensuite le plaidoyer. Mais je crois que c'est important. Bien sûr, je suis d'accord avec ce que tu disais, Sylvain, sur la question du consensus, qu'il faut pas qu'on aille au clash, que c'est ça qu'on peut... l'espace politico-médiatique... Non, mais vous deux, vous avez un peu dit ça. Que à l'extérieur, on recherchait justement les contradictions
et qu'il ne fallait pas toujours faire ça et qu'il fallait valoriser le consensus comme quelque chose de positif dans la société. Et moi, je suis d'accord avec ça, mais le consensus, ce n'est pas toujours, tout le monde est d'accord sur tout. Et ensuite, une dernière chose, un dernier mot, mais quand même, c'est la question du portage. Parce qu'effectivement, je pense que parfois, sur certains sujets, en fait, on ne sait pas trop comment ils sont arrivés là, mais ils sont arrivés là. Il y a deux personnes qui s'en occupent et ensuite elles s'en vont. Et comment est porté le sujet? Et donc, je pense que ça, il faut qu'on ait des stratégies de portage et de plaidoyer qui soient peut-être encore plus poussées. Nous, à la délégation aux droits des femmes, on a eu la chance, là, on a demandé à ce qu'il y ait un travail légistique qui soit fait par une clinique de droit de Sciences Po. Donc, on a des étudiants qui ont travaillé pendant un an sur la transformation de certaines préconisations en travail légistique, en plaidoyer, etc. Et je pense que ça, parfois, c'est un peu difficile à faire parce qu'en fait, les formations de travail, elles sont déjà en train de passer sur un autre sujet qu'il faut qu'elles continuent d'accompagner le portage, etc. Et donc, peut-être que là-dessus, on a des choses à améliorer. Merci. Rapprocher les points de vue sans gommer les différences, je crois que c'est tout un débat aussi à avoir par la suite, y compris dans notre étape prochaine sur la méthode. On y reviendra d'en faire ses œufs, je pense, mais de ce que dit Agathe et du débat qui avait commencé d'émerger sur un sujet que nous reprendrons, c'est aussi de savoir comment effectivement nos travaux sont utiles aux décideurs publics. Et les décideurs publics ont besoin de voir aussi comment la société organisée porte certains sujets, y compris dans la nuance, pour prendre les décisions. Donc je pense que c'est un débat sur lequel on reviendra, mais je crois que c'est aussi le travail qui se fait du coup au sein des commissions. Et c'était l'intérêt aussi de voir à partir ces trois orientations, comment les commissions arrivent à faire prendre aussi une dynamique pour traiter des sujets. Et on a vu d'ailleurs, entre la commission économie, finance et environnement, des sujets identiques qui peuvent être traités par des angles différents. Et c'est peut-être aussi tout ça qu'il faut qu'on arrive à retravailler au sein de notre assemblée. Alors, nous allons prendre donc quelques questions. C'est la même méthode que précédemment. Vous appuyez sur requête pour prendre la parole, poser des questions, préciser des propos. On verra les noms qui s'affichent. Et voilà. Antoine, le premier. Vous m'avez réveillé. Non, il n'a plus le droit sur la participation du public. Et Cécile Gondard se met en jambe, si j'ose dire. Merci beaucoup pour vos témoignages. Deux sujets sur la redevabilité. La première, nous, au groupe environnement, on porte beaucoup le fait que ce qu'on produit, c'est pour les décideurs publics, mais c'est aussi pour nos organisations et c'est aussi pour faire évoluer la société dans son ensemble sur ces sujets-là. Comment on peut valoriser aussi la redevabilité des organisations sur le portage des avis auxquels elles ont participé, qu'elles ont voté? Voilà, je sais que nous, on a fait l'effort, par exemple, sur l'avis inégalité de genre, de faire un petit point en disant, notre orga et nous, dans le groupe, on a fait ça dans nos organisations sur ces sujets-là parce qu'on s'est approprié le sujet. Donc, est-ce qu'il y a un sujet ici? C'est le sujet qu'on abordait tout à l'heure, quelle est aussi la redevabilité des structures membres du CESE? Et un deuxième sujet de redevabilité sur la question des délégations, donc plutôt pour Agathe et Alain. Les délégations produisent des travaux un peu sur les autres travaux, notamment ça se formalise par des notes de veille dans le cadre de la DDFE, par des je ne sais plus comment on appelle ça en Outre-mer, des contributions de la délégation Outre-mer. Contributions, oui. Comment est-ce que vous analysez le retour et la redevabilité des autres commissions de l'intégration des alertes ou des sujets que vous pouvez porter à l'occasion des travaux? Alors j'ajouterais bien, Antoine, si tu le permets, ils vont nous dire, celles et ceux qui souhaitent déjà répondre à la question d'Antoine, sur la redevabilité des organisations membres du CESE. Est-ce que vous avez des exemples? Vous allez nous dire comment ça s'est passé dans certaines de vos commissions délégation. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont, je dirais, plus demandés que d'autres? Est-ce que vous avez été interpellé? Est-ce qu'on vous a demandé des interventions? La table ronde d'avant, on a entendu que certains présidents ou membres de commission avaient été sollicités pour intervenir. Voilà. Est-ce que vous sentez des sujets? Je reboucle avec les trois axes. Est-ce que vous sentez qu'il y a des sujets qui prédominent comme préoccupation dans les organisations membres du CESE ou pas? Bon, peut-être pas, mais bon. Catherine. Oui, alors. Donc, en ce qui me concerne pour l'avis que j'ai co-porté avec Benoît, nous avons été sollicités d'abord par la CFDT. Moi, j'ai rencontré énormément de structures CFDT très intéressées par l'Europe de la santé. Mais on a été aussi invités dans des colloques. Donc,
Je pense que à partir du moment où notre organisation a voté l'avis, nous sommes les premiers ambassadeurs. Moi, je n'ai jamais hésité à démarcher les structures CFDT que je connaissais en disant, ben voilà, le CESE a travaillé sur l'Europe de la santé, sur autonomie stratégique, il y a des avis, le sens de la peine, on peut venir vous en parler. Et donc, il me semble que les premiers ambassadeurs, ça doit être nous, et qu'il faut qu'on ait une démarche volontaire vis-à-vis de nos organisations, puisque déjà pour leur faire part des travaux en cours, et proposer de venir les présenter. Parce que c'est pareil, hein, ils ont la tête dans le guidon, ils n'ont pas que le CESE en ligne de mire. Surtout en ce moment, bon, je parle pour les organisations syndicales, les chantiers sont vastes. Et nous, vous allez prendre la parole, non ? Oui, puisque là aussi c'est un sujet spécifique pour nous, mais je suis tout à fait d'accord avec Antoine, il y a une redevabilité des pouvoirs publics, mais aussi de la société civile organisée de manière générale, et on sait que tout le monde n'est pas représenté au CESE, donc même au-delà de nos organisations. Sur le sujet, on sait qu'on a pas mal d'échos là-dessus, et je dirais même que, parce que plusieurs organisations et membres de groupes l'ont dit même en séance, enfin, le sujet cannabis, beaucoup d'organisations n'avaient pas de position au début des travaux. Du coup, ça a été une occasion pour construire une position qui aujourd'hui, je crois, en tout cas pour certaines, je ne parlerai pas pour tout le monde, bah, fait un peu foi en interne des organisations, et je trouve que c'est intéressant aussi qu'on puisse avoir ce rôle-là parfois, pas tout le temps, mais sur quelques sujets. Sylvain Boucheron. Oui, deux éléments. Le premier sur le portage des avis. Donc effectivement, ça nous arrive aussi, les rapporteurs ou moi-même, d'aller en audition à l'Assemblée ou auprès des institutions, des établissements publics, aussi auprès d'autres organisations, d'aller expliquer ce que l'on a fait. Je pense qu'on peut le faire beaucoup plus, ça me semblerait tout à fait judicieux et important, avec un plan peut-être un petit peu plus structuré sur qu'est-ce qu'on en attend aussi, puisque parfois c'est de la communication, sans forcément être dans une stratégie d'influence. Alors c'est peut-être là où on a une réflexion à mener sur ce que l'on veut. Et puis par rapport à la redevabilité des organisations, ce que j'essaie de faire modestement dans mon association Humanité et Biodiversité, c'est déjà de les impliquer quand il y a des positionnements à prendre sur lesquels on n'a pas forcément de position historiquement, comment est-ce que je mobilise le conseil d'administration ou d'autres instances pour alimenter la position qu'on peut prendre ici ou les idées qu'on peut porter, porter auprès des membres de l'association différents travaux, communiquer sur les réseaux sociaux. Donc on essaie de faire aussi, modestement peut-être encore, mais de faire aussi connaître ce que l'on fait ici pour que ça puisse infuser dans l'ensemble de la société civile. Oui, du coup, sur la question... La redevabilité vis-à-vis des organisations. Redevabilité à nous-mêmes. Enfin, je réponds à la question d'Antoine. La deuxième, les organisations, ça, moi, je suis sur la ligne de ce qui vient d'être dit. Même si des fois, c'est sûr que c'est un peu questionnant de voir qu'il y a des organisations qui assument des positions publiques à l'extérieur qui ne sont pas les positions qu'ils défendent au CESE. Mais bon, ça, c'est la règle du jeu. On essaye de s'améliorer collectivement. Mais il y a aussi un problème de comment est-ce que les organisations elles-mêmes reconnaissent leur place au CESE comme des espaces de débat et qui ensuite, voilà, il y a les allers-retours. Sur la partie plutôt intégration des notes de veille, etc., très rapidement... Je pense qu'il y a un enjeu, mais qui est commun, hein, bien sûr, avec la délégation aux Outre-mer et puis avec d'autres sujets, c'est que ce n'est pas des cases à cocher. En fait, ce n'est pas y a l'annexe des DFE, c'est bon, les femmes, elles sont là, et puis c'est bon, les territoires ultramarins, ils sont là. C'est comment est-ce que, si ce sujet n'est pas pensé dans le sujet général, il y a un manque d'efficience des politiques publiques qu'on va vouloir transformer. Enfin, il y a un manque d'efficience de la transformation qu'on va vouloir proposer. Et je pense que ça passe par une appropriation collective de ce qui est écrit dans ces notes, ça passe par des auditions qui amènent des regards croisés, je ne vois pas comment ça peut se passer autrement, et que quand on a des temps restreints, on est obligé de faire des choix, et que parfois c'est aussi des spécificités qui passent un peu à la trappe, et bien sûr que c'est dommageable, mais je crois vraiment que, en tout cas, de ce que je perçois de l'ancienne mandature et de maintenant, je pense vraiment qu'on est en train de s'améliorer là-dessus. Les enjeux de transversalité, c'est des enjeux qui ont été portés dès le début de la mandature par le président. Et je vois vraiment des perspectives d'amélioration dans le fait de ne pas prendre ces notes de veille comme des choses à coller, mais plutôt d'en faire un outil de travail aussi pour que les commissions puissent s'en emparer. Alain, sur la même question. Oui. Sur cette question-là, oui. Alors, effectivement, nous, on a toujours le débat. Est-ce que ça va être annexé? Est-ce que ça va être intégré? Est-ce que ça va être retravaillé? Alors,
On a souvent, en fait, il y a souvent un ou plusieurs membres de la délégation qui sont ensuite dans les commissions. Donc, je pense qu'ils assurent la continuité dans le texte, même si, voilà. Mais je pense qu'effectivement, on se doit de faire mieux que le gouvernement. Hein, je vais prendre un exemple, c'est la stratégie mer littorale. 96% du littoral, c'est les territoires ultramarins. Et quand le gouvernement se penche sur la question, il traite à la fin la question des Outre-mer. Voilà, je pense que nous, on se doit de faire mieux que ça. Voilà, ça ne doit pas être compliqué. La délégation, elle sert à ça. Et effectivement, on a tendance à préférer quand nos contributions sont intégrées dans l'avis plutôt que lorsqu'elles sont annexées. Mais je sais que les débats ont lieu en général parce qu'on a des membres communs aux commissions et aux délégations. Mais en tout cas, oui, on doit pouvoir faire mieux que le gouvernement, c'est sûr. Jacques, non, une réponse, c'est pas obligé, mais bon, moi, c'est non, possible. Non, juste sur le côté organisation, on a des gros progrès à faire. On a des très gros progrès à faire. Je pense que pour la mobilisation, pour aider à la construction des avis, on y arrive. Ensuite, pour la connaissance de ce que fait le CESE, très franchement, on est en dessous de ce qu'on devrait faire. Nous, si je prends ma casquette MEDEF deux secondes, on se réunit régulièrement avec Patrick Martin pour discuter de ce qu'on fait et autres. Après, la connaissance par l'ensemble du monde patronal de ce que nous faisons au CESE est très clairement insuffisante. Merci pour cette réponse claire. Bon, Cécile. On va passer à une autre question, si vous voulez bien. Cécile Gondard-Lalanne. Oui, merci. C'est dommage que... j'avais une question qui allait dans le sens de la première question, qui était en gros la capacité de nos organisations, puisqu'on est représentants et représentantes d'organisations, d'intégrer ce qui se dit ici, ce qui se discute, ce qui fait consensus, ce qui ne fait pas. Et ça, ça suppose, et si on veut transformer et participer à de la transition, notamment aussi transformer nos sociétés et les enjeux qui traversent nos sociétés, c'est aussi à l'intérieur de nos organisations. Elles ne sont pas parfaites en elles-mêmes, ça se saurait. Et du coup, la question du temps, pour qu'elles puissent aussi, avec leur délai propre, pour qu'elles puissent aussi s'approprier ce que nous, on fait. C'est sûr que, je dirais, quand on a des avis à rendre, des amendements à rendre la veille pour le surlendemain, ça n'aide pas à une appropriation au sein même de l'organisation qu'on représente, et ça ne pousse pas véritablement à lui donner envie d'agir. Donc il y avait cette question-là, effectivement, mais la partie, vous en avez dit qu'il restait à faire. Je me disais à ma présidente de la DDFE, la question de la transformation. Quand on parle égalité femmes-hommes, on parle de transformation. Quand on parle d'écologie, on parle de transformation. Quand on parle de démocratie aujourd'hui, sur une démocratie de demain, on parle de transformation de ce qui se passe et au moins de mode de fonctionnement aujourd'hui. On en est où dans notre capacité à transformer et à vouloir transformer? Alors peut-être pour terminer du coup cette table ronde avec cette dernière question sur la question des transformations, Cécile la pose à Agathe, mais moi je vais la poser un petit peu à tout à chacun pour conclure. Finalement, on vient de faire le bilan de mi-mandat, on a regardé comment ça s'est passé au regard des orientations qu'on s'est fixées en début de mandature, vous nous avez expliqué un petit peu comment ça s'est passé. Là maintenant... on a encore 2 ans et demi de route à faire ensemble. Qu'est-ce que vous retenez, par exemple, sur les transformations, du chemin qui reste à parcourir? Quel est le défi, le challenge que vous vous fixez dans votre commission sur
évidemment, on est sur le fond, là, plus que sur la méthode, mais sur les grandes thématiques, sur les grands sujets, où vous dites le CESE ne peut pas passer à côté d'ici la fin de mandature, et au regard de ce qu'on vient de vivre dans les 2 ans et demi, particulièrement sur l'axe des transformations qui est, je crois, attendu effectivement à l'extérieur du CESE par beaucoup. Qu'est-ce que vous visez comme objectif dans le temps qu'il nous reste, pas de la table ronde, cette mandature, sachant que vous avez à peu près 1 minute pour répondre? Moi, je veux bien commencer, hein, parce que j'ai l'habitude de le dire dans ce qui fait ma légitimité ici. En fait, nous sommes encore au Moyen-Âge, et un jour, grâce à notre action quotidienne, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Ce sera la Renaissance ou la période contemporaine, on ne sait pas encore. Non, mais la formule, on la prend. Alors, en ce qui nous concerne, nous, on a commencé à réfléchir ce matin. C'est absolument pas tranché sur les objectifs que nous nous donnons, aussi bien en termes de sujets que de comment nous allons les traiter, sachant qu'en plus, le bureau nous a demandé de traiter un sujet, n'est-ce pas, Michel? Donc, on est en cours de définition de comment nous allons terminer la mandature. Concernant l'environnement, je crois que notre maison brûle, il faut qu'on jette dans le feu pour aller l'éteindre. Et donc on arrive à traiter, c'est ce qu'on va mettre dans la feuille de route de la commission des prochains mois, essayer de travailler sur une approche qui soit beaucoup plus systémique finalement de la question de l'environnement, pour essayer de se poser la question. Donc ça correspond vraiment au pilier transformation qu'on n'a peut-être pas encore complètement bien traité sur la première partie de mandature, mais de se dire comment est-ce que finalement dans l'ensemble des politiques publiques, quels sont les leviers de transformation et de s'assurer que les questions environnementales soient intégrées de manière complètement transversale. Donc là on a beaucoup travaillé sur des sujets plutôt thématiques, et peut-être dans cette deuxième partie de mandature s'orienter plutôt sur des sujets plus systémiques sur ces questions de transition écologique en particulier. Jacques Ressel. Alors on a un beau programme de travail puisqu'on a un rapport en cours sur le financement du modèle associatif, le nouveau REF qui commence, va bientôt passer au bureau en termes de notes de cadrage. Puis ensuite, on a dans le programme qui a été fait à parler de modèle productif. Donc l'idée, c'est d'essayer de prendre un peu de hauteur pour regarder un peu dans toutes ces transformations quel type de modèle productif, dans tous les sens du terme, on peut essayer de travailler avec le sujet de l'intelligence artificielle liée à ça ou pas, ça fait partie des discussions. Je pense personnellement que les transformations technologiques sont totalement majeures dans tout ceci, ont un impact notamment sur ce type de modèle et que ça serait intéressant de le travailler ensemble. Il y a le financement des communs qui le bureau nous a demandé de travailler. Donc je pense qu'il restera quelques sujets pour la mandature suivante. Elno. Oui, par définition, normalement, je ne pourrais pas répondre à cette question puisque nous, on n'avait qu'un seul et unique objectif. Mais je suis malin, j'ai trouvé quelque chose à dire quand même. C'est que ça me permet de revenir sur un point, c'est que normalement, à chaque fois qu'on finit un avis, qu'on vote un avis, il y a le rapportage par les rapporteurs, la rapporteure, qui se fait, et donc bien sûr, nous, ça va prendre un certain moment, mais on le fera comme beaucoup d'autres. Mais il y a aussi comment est-ce qu'on gère ensuite cet avis en interne de la maison, dans les commissions, même en plénière. Il me semble que quand on avait lu dans les statuts réglementaires, il devrait même y avoir une plénière, je ne sais plus si c'est dans l'année ou dans les quelques années qui suivent, pour en faire un bilan. Donc, je sais que, par exemple, les commissions temporaires, on a tous fait l'année au moins qui a suivi une commission temporaire de nouveau qu'on a réunie pour dire un peu où on en était. Et nous, à la dernière, celle de la CT Cannabis, on s'est dit qu'il faudrait peut-être, surtout qu'on sait que c'est un sujet qui va durer malheureusement, qu'il faudra peut-être trouver d'autres modalités de comment on fait le suivi du sujet. Non pas forcément de faire des CT tous les 6 mois ou même tous les ans sur la question, mais quand il y a des événements un peu importants, peut-être dans la boucle mail le dire. Et puis, s'il le faut, d'ici 2, 3 ans, 4 ans... Alors, avec ceux qui seront d'ici la fin de mandature, mais même dans les prochaines mandatures, bah voilà, avoir quelque chose qui permette de voir où on en est, sans forcément passer par les avis de suite, hein, qui sont aussi une méthode, mais de se dire, voilà, où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on pourrait peut-être mieux porter. Et je pense, finalement, ce n'est pas forcément un outil qu'on utilise assez, et il y aurait peut-être à se questionner là-dessus. Merci, Noël Gatt. Merci. Sur question, sur où on en est des transformations dans notre société ou au CESE, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que la première transformation, elle commence quand même d'abord par soi, que ce soit sur
ce qu'on pense d'un sujet ou comment est-ce qu'on agit politiquement. Je pense que sur ça, il y a des moyens toujours de progresser et je m'inclus là-dedans. Et puis deuxièmement, au vu du sujet qu'on traite en ce moment à la délégation, c'est-à-dire quand même la place de l'enfant dans notre société, le modèle qu'on a créé, le fait que ce soit l'être le plus vulnérable, je pense qu'on est en train de décrire, c'est Albert qui disait ce matin à la fin de la lecture de nos 200 amendements sur le rapport, ce qu'on écrit, en fait c'est révolutionnaire. Bah oui, donc la révolution arrive, voilà, et j'espère qu'elle apportera des transformations, en tout cas. Merci à vous toutes et tous. Je crois que ça montre la richesse des travaux du CESE et aussi l'engagement des conseillers et conseillères pour à la fois nourrir ces travaux, les porter, les faire vivre. Et on voit qu'on a encore plein d'idées pour finir la mandature. Merci beaucoup et nous laissons la parole, bien sûr, à Thierry Baudet pour conclure. Le président vous donne, rend l'antenne. Oui, j'ai mes petits papiers. Peut-être quelques mots pour finir. Moi, j'ai envie de dire que, commencer par dire que je ne suis pas un optimiste béat, mais je ne suis pas non plus un pessimiste chronique. Et donc, en vous écoutant, moi, je me disais que nous sommes sur la bonne trajectoire et je pense qu'objectivement, nous pouvons globalement nous féliciter de ce que nous avons accompli au cours de cette première partie de mandat. Quelques réflexions rapides. Moi, de la première table ronde, je retiens deux ou trois idées. Moi, je dirais d'abord que dans notre pays, il est beaucoup de lois qui portent des réformes qui ne sont jamais appliquées ou très partiellement. Il y a aussi des réformes nécessaires qui devraient faire l'objet d'une loi et qui ne font jamais l'objet d'une loi. Et bien moi, je trouve qu'au CESE, nous avons réussi collectivement à mener en un temps record, en moins de 2 ans, une réforme assez considérable, un changement qui repose sur 2 piliers, nos travaux et la participation des publics, les uns se nourrissant de l'autre, les légitimant et inversement. Moi, je pense que nous avons su tirer bénéfice de cette transformation qui, comme cela a été dit au cours de la première table ronde, nourrit et légitime. Le deuxième point que je veux relever sur la première table ronde, ça a été pointé aussi, c'est la manière dont nous avons su tisser des relations renouvelées avec les Césaires. C'est important parce que ça signifie qu'il n'y a pas de niveau hiérarchisé des sujets en fonction des territoires, mais qu'il y a des perspectives complémentaires. Et en réalité, chacun est en somme la partie manquante de l'autre. Donc moi, je me réjouis de ces liens renforcés et j'espère que nous pourrons concrétiser ces liens nouveaux à l'occasion d'une prochaine journée que nous devrions organiser avec les Césaires afin de consacrer ces nouveaux rapports. Moi, de la deuxième table ronde, je retiens que le travail de début de mandat sur nos orientations stratégiques a été structurant. Je note, ça a été dit, que chaque commission les a mis en œuvre avec, on l'a vu, des méthodes variables sur des thématiques diverses. D'une certaine manière, je pense qu'on peut se dire que nos orientations stratégiques, elles n'étaient ni hors de propos, ni hors sol. En entendant les intervenants, je me disais que finalement, nous avons travaillé à partir de ces orientations stratégiques sur 2 types de sujets. Il y a des sujets qui sont déjà présents d'une manière ou d'une autre avec des nœuds et nos travaux contribuent à dénouer ce qu'il est. Et puis, on a d'autres travaux qui sont davantage prospectifs. Je pense au cannabis, je pense aux nouveaux risques assurantiels pour revenir sur des propos qui ont été indiqués. Moi, j'ai souvent dit que le CESE était la chambre du premier mot. Je crois que le CESE peut être aussi, nous l'avons prouvé,
la chambre de la définition initiale d'une politique publique grâce au débat qu'il provoque. Moi, ce qui m'a frappé au cours de cette deuxième table ronde aussi, c'est qu'il me semble que chaque commission a pu définir globalement ses propres modes d'action et de réflexion autour de cette stratégie globale, tout en s'inscrivant dans le calendrier politique national et parfois international. Je trouve que cette volonté de s'inscrire, j'allais dire, dans l'agenda politique, ça me paraît très très présent et je pense que c'est vraiment un progrès. Par ailleurs, je relève qu'il a été noté qu'on a utilisé plusieurs outils ou instruments, que ça peut être gage d'efficacité, des présentations de rapports et d'avis parfois plus courts, parfois plus concrets, l'usage de différents moyens comme la déclaration, la résolution, la controverse, des événements plus réguliers pour mettre en évidence les avis, traduits dans une scénographie renouvelée, etc. etc. J'ai noté aussi, en vous entendant, que ce qui fait la force du CESE, c'est notre capacité à essayer d'aller le plus loin possible dans la recherche d'un consensus exigeant. Mais ce qui a été pointé, c'est qu'il ne fallait pas confondre le consensus exigeant et l'exigence de consensus à tout prix si ça devait nous amener à par trop affadir les travaux qui sont les nôtres. Et puis, j'ai naturellement noté tous les points d'amélioration que vous avez relevé, à la fois les points sur lesquels on a progressé, mais les points d'amélioration, notamment dans la promotion des avis, notamment peut-être aussi dans ce CESE qui doit probablement faire des efforts. On a beaucoup parlé d'aller vers, j'ai envie de dire, pour aller vers les organisations. Vous avez beaucoup insisté sur le rôle que les organisations pourraient jouer pour renforcer l'impact du Conseil. Je me dis qu'on a probablement quelque chose à imaginer pour davantage maintenir le lien avec les organisations qui sont représentées au CESE. Pour conclure, moi je dirais que, puisque nous sommes en période de mi-mandat, je crois que nous avons beaucoup fait et cela n'a été possible que grâce à vos investissements divers et à votre engagement. Alors bien sûr, j'ai noté les points de vigilance, deux en particulier que je voudrais relever, notamment qu'il n'y a pas lieu de douter que nous représentons la société civile organisée. Je ne l'oublie pas. Il n'y a dans mon esprit aucun conflit de légitimité. Les organisations sont et restent le cœur battant du CESE. La participation des publics n'entame en rien cette réalité. Je voulais le redire. Moi, je reste sur les termes qui ont été utilisés au cours de la première table ronde. La complémentarité, le fait que ça nourrit nos travaux et que ça peut renforcer leur légitimité. J'ai noté également le regret que nos travaux n'aient pas toujours l'impact qu'ils méritent. Moi, je n'ai pas d'idée précise, mais je suis convaincu qu'un des enjeux pour le CESE, pour le futur du CESE, ça doit être de trouver les voies et moyens de mieux intégrer le CESE dans le processus législatif. Ça, c'est un vrai sujet, je crois, sur lequel il nous faudra essayer de travailler. Alors, nous sommes à mi-chemin, il nous reste plus de 2 ans. Nous allons, comme je l'ai dit, nous attacher à améliorer ce qui doit l'être, mais nous allons aussi nous attacher à poursuivre notre action pour faire émerger, c'est ce que je retiens, le nouveau continuum démocratique que nous appelons de nos voeux, pour contribuer fortement au nécessaire processus de renouvellement démocratique dans une période de crise multiple. Moi, j'observe que la démocratie représentative, élective, elle est confrontée à plusieurs difficultés. Une composition sociologique qui reflète mal celle de la population, une image dégradée dans l'opinion et un fort taux d'abstention. En parallèle, la démocratie participative, même si tout le monde n'est pas au clair sur le concept,
En parallèle, la démocratie participative semble bénéficier d'un regard plus bienveillant de l'opinion. Eh ben moi, je pense que le Conseil économique, social et environnemental, parce qu'il représente les citoyens engagés dans les organisations de la société civile, parce qu'il se renforce, augmente, s'enrichit de la participation des publics, doit tirer un plus grand bénéfice de ce regard bienveillant de l'opinion. Je crois que c'est ce à quoi il faut que nous nous attachions. Et je vais conclure comme j'ai commencé. Ni optimiste béat, ni pessimiste chronique. Et naturellement, si des voies d'amélioration sont possibles, il me semble que nous pouvons quand même globalement nous réjouir de ce que nous avons entrepris, que nous pouvons globalement être fiers de notre travail, parce que ce travail est utile à notre pays, est utile aux organisations de notre pays et est utile à nos concitoyens. Donc merci pour, à toutes et tous, aux formations de travail, aux groupes, aux membres pour avoir travaillé à préparer ce bilan de mi-mandat. Et merci, je l'ai dit en ouverture, au groupe de travail qui a orchestré tout ça. On se retrouve le 23 avril prochain à 14h30 pour l'examen du projet d'avis « Articulation des temps et évolution de l'organisation du travail ». Sophie Thierry nous le rappelait tout à l'heure. Sera présenté par Christelle Caillé et Elisabeth Thomé-Gertenrich. Et puis pour ceux qui sont encore un peu dans la maison cette fin d'après-midi, à 18h, on a une petite inauguration de l'exposition Anne Frank qui a pris place dans la salle hypostyle. Merci de votre participation. La séance est levée.